Et on met la scène. Oh que oui, c'est parti mon kiki. Eh bien, salut à tous. Les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la super patate du jeudi soir. Quant à moi, moi j'ai la super patate, bien sûr, parce que moi je suis en très très bonne compagnie. Puisqu'avec moi, il y a Joël. Ouais. Coucou. Ça va Joël? Bien, et toi? Ouais, la patate, ça va. La frite, ça va. La pêche. Toujours et toujours, toujours mieux quand tu es là, forcément. Oh là là. Ah, oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez les amis, on se retrouve donc sur mon petit monde solo en hardcore, évidemment, hein, comme d'habitude. Je vais tout faire pour ne pas mourir, parce que dès que je meurs sur cette série, ben c'est fini. C'est fini, comme dans la vraie vie, hein, d'ailleurs, hein, si vous faites des bêtises IRL, et que ben après c'est fini, on respawn pas, donc on va éviter. Qu'est-ce que c'est que ce début de live de brin? Allez, donc du coup... Oui, c'est vrai que t'as pris du grade, dis donc, de mer grand à muse. Ça change un petit peu. Oh, c'est mieux en muse, hein, quand même. Hein, ouais. Que en mer grand, y a pas photo. Ouais, je alors... sais pas si tu es en muse, mais je suis en ma muse. Ouais. Bon. Bah, tant qu'on s'amuse. Oh, dis donc, et ça, c'est à force de me côtoyer, tu vois, tu commences à faire le même genre ouais. De blague. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ouais, c'est pas terrible. Mais écoute, ouais, hein. On est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Ah bah le prochain conte, j'espère bien faire une sorcière. Oh bah écoute, je sais pas encore trop, j'ai pas encore choisi ce qu'on va faire. Non mais je dis, j'espère bien faire une sorcière. Oui, oui, oui. Nom de Zeus. Tiens, ça commence, c'est mon petit Vincent, ouais, un type de 5 euros qui fait « Coucou tout le monde, des bisous et bon live !» Et ben Vincent, moi je te fais un gros bisou mon pépère, et c'est très très gentil à toi. Donc c'est adorable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors déjà, en plus de survivre, hein, bien sûr, je me suis dit que ça serait sympa, vu qu'on va quand même développer un petit peu les... Là, il y a des champs, des patins, tout ça, c'est quand même bien. On va agrandir un petit peu les champs. Je trouvais assez logique, en fait, de faire une petite ferme. Surtout que là... On est à côté du petit château à son pépère, hein. Donc en fait c'est tout à fait logique en fait d'avoir une ferme à cet endroit-là. Et on va aussi s'amuser à continuer notre petit village qui est pas loin bien sûr. Hein. Donc ça c'est tout à fait logique aussi puisque en fait le but ça va être d'avoir tout l'équipement complet en mending, de faire un joli petit village. Et donc ça va être quand même des petits objectifs que je me fixe au fur et à mesure. Bure un peu ce. Alors je vous montre. J'ai été un petit peu AFK à ma ferme à XP. Hein. Bon, pas dans plus 300 ans parce que ça me saoulait. Donc j'ai quand même réparé un maximum pas mal mes deux pioches, hein, comme vous pouvez le voir, où j'ai mis du mending dessus. Hein. Je suis content. Hein. Là, il y a mon épée aussi, dis donc, il va falloir mettre du mending dessus et tout. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure, hein, dès que les champs auront poussé. Hein, puisque là, en fait, c'est surtout du blé qui veulent les machins. Et aussi, parce que des patates... je crois qu'ils veulent plus, ils veulent plus. Celui qui faisait des patates, il veut plus. Ça va. J'en ai pour nourrir 300 personnes. Des patates, donc du coup, il veut plus en échanger. Alors du coup, où est-ce qu'on va faire des champs? Alors déjà, la petite fermette, entre guillemets, moi je la verrais bien par ici. Là, le bord, parce que là, il y a le bord du chemin. Qui passera, d'ailleurs on n'a pas fini, on fera un joli chemin ultérieurement, mais peut-être dans le même style que ça d'ailleurs. Ouais, puisqu'on a commencé en mode comme ça, donc on continuera en mode comme ça. Évidemment, on ne laissera pas des torches comme ça, toutes moches au sol, on modifiera ça petit à petit. Mais bon, donc du coup on va avoir un chemin qui passe ici. Et donc du coup, je suis en train de me dire... qu'il y a des endroits qu'on va modifier de façon considérable. Donc là, moi, je me dis que là, déjà, on va faire une petite fermette juste ici. Juste là, ça va être sympa. Voilà, se faire une petite ferme à son pépère. Donc du coup, ça veut dire peut-être agrandir un petit peu la partie là, même pas forcément, bon, on va voir. Alors, avec quel... Oui. Merci, Ravor, t'as oublié de mettre le Twitch, je pense. Oui, oh là 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 là. Qui des vilains, j'ai oublié de tweeter. En plus, mon tweet est prêt, j'ai juste oublié de le lancer. Tweeter, go en live. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai tweeté le live. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux.
Voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a des gens qui me font. J'étais très surpris également de voir le nombre de vues qu'il y a sur les rediffs de cette petite série. Bah, faut dire qu'on joue en mode tranquillou, sans stress, on s'amuse. On est vraiment là juste pour s'amuser, pour se faire plaisir. Hein, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Mais apparemment, c'est une série qui vous plaît beaucoup. Et bah, écoutez, moi, ça me fait super plaisir. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Alors là, vous trouvez pas que ça fait un gros trou pour bizarre, pour rien? Ou alors il faudrait qu'on mette de l'eau pour que ça soit logique. Pourquoi il y aurait un trou trousse comme ça ici? Et puis du coup, ouais, on pourrait faire une petite mare à cochon. Quoique là, on pourrait en faire une mare à cochon à cet endroit-là. Sauf que là, elle est un peu trop propre pour faire une vraie mare à cochon. Mais non, on pourrait l'utiliser. Effectivement. Et du coup, là, la petite fermette. Attends, je regarde par rapport aux tailles des champs. Oh, quoique, sinon, j'ai dit que le chemin, il passait ici. Ouais, sinon, on peut même baisser. Ouais, on peut faire une petite mare à cochon. On enlèvera quelques fleurs, peut-être même, parce que je m'étais débarrassé de toutes mes fleurs qui étaient là. Et puis, on va voir, même au niveau du terrain, est-ce qu'on garde le dénivelé? Oh, ici, on pourra peut-être le boucher. Ou le charcutier, comme vous voulez. Faut que j'arrête de dire des bêtises comme ça, je te jure. Tac. Ouais, faire un petit peu de terraforming comme ça, juste à cet endroit-là, pour que voilà, ça fasse un truc qui soit quand même beaucoup plus logique. Ouais, une petite ouverture ici. Et encore, pourquoi est-ce qu'il y a une ouverture? Il n'y a aucune raison. Allez, il n'y a aucune raison. Ou alors. Donc du coup, on va se boucher ça. Il n'y a aucune raison que ça soit comme ça, à cet endroit-là. Évidemment, il me manque un de dirt. Tac. Et tac. Voilà. C'est bien. Donc là, on est bon. Pareil, au niveau des champs, on va agrandir les champs. On va agrandir les champs, déjà, pour avoir beaucoup plus de rentabilité au niveau de tous les champs. Et donc, du coup, si on agrandit les champs, je vois comment. Déjà là, au niveau terrain pur, il y a des choses qui me plaisent moyennement. Ici, par exemple, c'est pas logique d'avoir des trucs dans ce style. Purée, il y a le new recipe, là. Il va nous le mettre à chaque fois. Le new recipe. The new recipe. Ah oui, chaque fois que tu fais quelque chose qui oui. Te permet de faire un... Oui, un nouveau craft que j'ai pas craft, regardé, ça... Il me dit, ouais. Oh, you have a new recipe. Il y a... Tout à l'heure, il y a Adrien de la Geneva Gaming Convention qui m'appelle et qui me demande... attends, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Ah oui, non, j'ai fermé Skype. Bon, enfin bon, bref, sa question c'était est-ce que je voulais animer... est-ce que je me débrouillais pas trop mal au niveau de l'anglais pour animer un petit truc? Et j'ai repensé aux gens hier ou avant-hier qui me disaient « Ouais, tu nous fais trop rire quand tu parles anglais. » Et donc je lui dis « You talking to me ?» Je lui dis « Bon, ça, je comprends à peu près l'anglais, mais tout le monde se fiche de moi quand je le parle. » Il a fait « Ah bon, ok, bon bah, je vais te mettre sur autre chose alors. » Je pense que je vais faire une conférence sur les nouveaux métiers des jeux vidéo ou un truc comme ça. On verra, mais je pense que ça sera mieux. Ça sera plus logique. Plutôt que, bon, ici, si commence à me faire faire un truc tout en anglais, il y en a qui vont rigoler, à mon avis, tu vois. Alors, allez, on va se faire un champ par là. Oh, purée. Vous avez, ceux qui vont venir me voir à Genève, je pense que vous avez échappé au pire, là. Voilà. D'ailleurs, il faudra qu'on voie aussi Joël, parce que moi j'ai de la mémoire, hein, et moi je t'ai promis un restaurant, hein, si tu t'en rappelles, hein, dis donc. Ah, tu t'en rappelles pas, hein, mais moi je m'en rappelle. Donc il faudra qu'on voie à un moment, je pense que ça sera plus facile en soirée, un soir, je te paierai un petit resto, on se fera un petit resto, voilà. Et puis c'est tout. On ira dans les quartiers chauds. Ouais. Ah bah moi je connais pas les quartiers chauds, donc c'est toi qui vas me faire découvrir ça. Vous vous rendez compte, Joël? Écoute, je pense que ça a changé depuis l'époque où j'étais en stage à Genève, tu vois. Ouais. Il y a 30, 40 ans. Presque ouais, 40 ans. Non, puis moi les quartiers chauds, ça va encore m'énerver. Bah bon. Non, alors ouais. Si c'est comme à l'époque, je peux te dire que ça
Ça énerve pas, ouais, bon, c'est. Ça te casse plutôt le Ouais. hype qu'autre chose. D'accord, ouais, non, non. De toute façon, je vais te dire, après ce que j'ai vécu en Thaïlande, Oui. je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui pourra Ouais, me non. perturber autant. Oh purée! Ah là là, là, honnêtement, c'était vraiment. Bon, j'ai des potes qui connaissaient bien tout ça. Heureusement, même encore, même que j'y suis allé avec Nina, je peux te dire, parce que. Ah Je veux oui, dire, c'est. ah oui, non, non, mais c'est un truc de fou. Hein, c'est. Et Ah ouais. même en étant avec Nina, il y a des nanas qui nous ont branchés pour faire des trucs à trois, quoi. C'était du grand n'importe quoi. C'est un peu triste de se dire que les gens, ils. C'est. Alors, en fait, quand tu connais pas et que tu n'y as pas été, oui, tu penses que c'est triste. Mais en fait, bizarrement, quand tu connais les gens et leur mentalité. Bon, c'est vrai que là, on est à la limite du marchand de viande. Hein. On était vraiment, Ouais. c'était vraiment à la limite. Mais honnêtement, quand tu discutes beaucoup avec eux, bon, nous, on avait la chance d'avoir des amis thaïs, et donc ils nous ont expliqué comment ça se passait. Et ouais, j'ai vu Vincent qui ce qu'il parle là, pour expliquer aux plus jeunes, les quartiers chauds sont les quartiers sans ventilateur. Oui, c'est exactement ça. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Et donc du coup, comment dire, ouais, on avait des amis thaïs qui nous expliquaient bien tout, mais eux, ils ont une mentalité très très libre en fait. Ils sont vraiment, ils n'ont pas du tout la mentalité qu'on peut avoir en Europe. Ils sont très 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 libres sur tout ce qui est sur le sexe et tout. Ils sont vraiment, ça surprend quoi. Quand t'as pas l'habitude et que tu connais pas trop comment ils vivent, en fait, ils sont vraiment très très cool là-dessus. Hein. Ils sont. Moi, un exemple que j'utilise toujours parce que c'est, je pense que c'est un de ceux qui illustre le mieux, qui fait qu'on comprend bien. C'est, j'étais à un mariage donc d'un de mes meilleurs amis et en fait. La sœur de la mariée, elle avait, enfin non, la mariée avait deux sœurs, dont une qui se mariait genre 2 mois après quoi, tu vois. Et en fait, donc mon pote, il avait emmené ses tontons qui étaient jamais sortis de leur Auvergne natale. Et en fait, les deux filles, elles ont dit, bon bah du coup, c'est pas normal que les tontons ils fassent dodo tout seuls, donc du coup on va aller faire dodo avec eux quoi. Tu vois, Ouais. c'est alors qu'il y en a une qui se mariait 2 mois après, quoi. Tu vois, pourquoi? Juste pour pas que les tontons restent tout seuls, parce que chez eux, ça se faisait pas que. Tu vois, pour eux, enfin, c'est comme s'ils se faisaient un petit câlin, quoi. Tu vois, voilà, pour eux, c'est voilà. Vraiment, ils sont complètement libres. Enfin, tu vois, il n'y a pas tous les tabous que nous on peut avoir là-dessus. C'est assez surprenant hein. Quand t'as pas l'habitude, ça surprend toujours un peu. Mais bon. D'un autre côté, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Est-ce que. Bon, je sais pas. Après, chacun est bien pensé, mais. Bon. Quoique non. Si j'imagine 2 mois avant de me marier, ma promise se serait barrée avec un tonton en plus, velu. velu, Oh, poilu et tonton. tout. Non, j'aurais peut-être pas trop aimé, quoi, tu vois. Que pas du problème. Pas de problème, tu vois. C'est assez bizarre hein, quand ils pensent ça. Mais bon, c'est comme ça, ils sont très très libres. Ils sont très très libres en Thaïlande. Hein. Alors, mais bon, là, ça, je pense qu'il faut vraiment le voir pour le croire. Bon, heureusement, hein, en Thaïlande, il y a d'autres choses bien plus sympas à voir que Oui, Pattaya. Hein. tout à fait, tout à fait. Pattaya, c'est la pire ville pour ça. Hein. Non, il y a des villes très sympas comme Phuket et tout. Il y a des choses vraiment. Le spectacle des éléphants à Phuket, c'est magnifique. C'est plus que magnifique, c'est féerique en fait. C'est vraiment merveilleux. Donc l'éclairage par là, monsieur Roy. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tac! Allez, un petit dodo. Et pan. Voilà, donc là on est bon. J'avais dit un troisième chant, hein. J'ai mon seau. Ouais, j'ai mon seau, c'est magnifique. Du coup, le chant de. Tiens, on va en faire un par ici. De chant. Je récupère les sapins. Hein. Voilà, on va se faire des petits chants de. Pas trop gros, mais à chaque fois de 64. Oh, peut-être pas autant que ça, bon, on verra, on verra. On va faire un petit peu quand même. Un petit peu quand même, ça on Bon, les gens, recommandera. allez, on ouvre les paris. La taille du champ. Non, non, j'ai dit pas trop grand, pas trop grand. Combien de ou en diamant? Oh purée.
Oui, c'est vrai que j'ai fait pire. Ouais. J'ai fait. Alors, je l'ai mis dans ce sens-là, la flotte. Là, on va la mettre. On peut faire pareil. Donc, on va dire. Ah, puis même en plus, du coup, 1, 2, 3, 4. Là, si je colle ici. Ah Oui, oui, tu peux faire oui, c'est 4. pas bête. Je peux en refaire 4 ici. Et puis, avec de la flotte. 1, attends. 1, 2, 3, 4. Et pour la flotte, la mettre que là. Tac. Ouais, là, j'ai 8 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. Alors, c'est vrai que là, j'aurais pu en mettre sur les bords et tout, mais bon, allez. On va se faire plaisir comme ça, c'est bien. Alors, tac, de la flotte. De la flotte. Là, en fait, pour faire des sources, pour ceux qui savent pas, je vous explique. Vous voyez, vous prenez le bloc qui est là, vous vous décalez de deux et vous le mettez au milieu. Et du coup, là, vous avez une source infinie juste ici et ça vous permet de ravancer tranquillou comme ça. Et voilà. C'est tout simple, un petit astuce tout bête. Ah oui, Joël, excuse-moi, tu disais. N'oublie pas de manger. Oui, il faut que je mange absolument. Tout à fait, tout à fait. Seulement un ou deux mondes Minecraft. Non, 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 on va pas abuser. Alors, Maou. Ouh, elle est là. 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Voilà, c'est bien. Tu me diras, c'est vrai que s'il me file, il va me filer du. Il va me filer du mending pour contre du blé. Du coup, j'ai peut-être intérêt. Bon, allez, j'ai dit pas trop grand, j'ai dit pas trop grand, j'ai dit pas trop grand. Donc on en fait un petit là. On va en faire un autre petit par là. Allez, un autre petit par ici. Donc là, on va faire tac. On va le mettre à partir de là. On va compter. 3, 4 et pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Tac, on va le faire ici. Donc là, on va mettre de la flotte là. On décale de 2. On prend ici. Pouette, pouette. Voilà. Comme ça, source d'eau infinie. C'est parti. On va prendre 1, 2, 3 et 4. Alors, on met 4 parce qu'en fait, c'est la distance que les champs ont besoin pour être humidifiés. Et vous pouvez mettre 4 blocs. Alors, 4 blocs, soit comme ça, soit comme ça marche aussi. C'est-à-dire que là, en fait, ici, j'aurais pu en mettre ici, vous voyez. Mais bon, on va pas s'embêter. Tu sais que pour que le blé il pousse, il faut en planter. Pardon, il faut. Pour que le blé pousse, il faut en planter du blé. Parce que en fait j'ai fait mon champ, j'ai pas planté de blé quoi. Je veux dire, D'accord. c'est bien. Hein. Si tu mets du blé mais que tu plantes pas. Enfin si tu fais des champs mais que tu plantes pas, ça marche pas bien. Marche pas terrible. Alors c'est moi vrai je que vais ça mettre. pousse mieux. Ouais, de l'étirage. Je te jure. Hey, quel comique ça envoie Louis. Ah, je te jure. Et pan, on va mettre ici et. La lumière ici, voilà, faut que ça soit bien éclairé, même de jour ça aide. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme sapling? On a juste ça, juste ça. Ah, je suis bête pour accélérer le processus, j'ai des nonos. Des petits nonos à son pépère. Voilà là. Ravor 31 dit, il s'est planté. Ça Oui, vous est planté. Oui, c'est planté. J'ai pas planté. Il n'y a pas que moi qui suis contaminé, hein. Il s'est planté. Oh là là. Bonsoir. Mais je plus sois. Salut mon Yokiki. Ça va mon pépère? Ça va, vous? Oui, ça va, ça va. Salut. Tac. Déjà. Oh, j'en ai que 10 là. Je pensais que j'en avais plus que ça, dis donc. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On va remettre des fleurs et tout ça ici. Hein. Ok, donc du coup, j'ai dit des nonos comme hier. Normalement, j'en ai récupéré un petit peu. Je prends un stack, à mon avis, ça suffira largement. Oh oui, ça suffira largement. Pour planter nos deux champs. Et d'ailleurs, attendez, vous savez pas ce que je vais faire? Je vais mettre tout de suite un petit coffre à côté, comme ça, quand on plante et on déplante,
Ça nous permettra d'avoir. Attends, je vais faire tout de suite le petit coffre. Tchoc. Voilà, un petit coffre. Tac, tac. J'ai un bateau sur moi depuis je sais pas combien. Ah oui, c'est normal, j'avais été chercher. Enfin non, à faire de l'XP, j'y avais été en bateau. C'est tout à fait normal. J'adore mon petit monde solo, je m'éclate dessus comme un petit fou. Faut juste que par contre je meurs pas quoi. Interdit de mourir. Mais c'est bien, hein. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus, hein, le fait d'être en hardcore. Il y a vraiment un gros plus au niveau de l'adrénaline et de la peur. La peur, the fear. La peur en anglais, c'est the fear. Ok. On va en prendre au moins un entier ici qu'on va faire pousser tranquillou à la poudre de perlimpinpin. 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 Ça, c'est marrant parce que c'est une expression que j'avais pas entendue depuis des lustres et des lustres. Et après, quand c'est, je sais plus qui, là, c'est pendant le combat verbal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je sais plus qui c'est qui avait sorti ça, et puis ils l'ont ressorti en musique, la poudre de perlimpinpin. Oui, j'ai fait ça. C'est pas drôle. C'était marrant. Tac, tac, tac. Tac. Ça y est, est-ce que tout le monde... Ah non. Tac. Tout le monde a poussé. Vous êtes content? Ouais. Ah, qui c'est qui m'a dit à la pioche fortune, on ramassait plus. Moi. Eh ben voilà. Eh ben, allez. Ça marche sur le blé aussi? Non, tu Non. ramasses plus de graines. Mais Non. comme t'as besoin de graines, c'est bien. Oui, c'est bien. Pour les... Ah oui, pour les patates, t'en ramasses plus. Mais tu ramasses plus de graines, Voilà, mais donc je ça ramasse marche. plus de graines, donc ça m'arrange aussi, puisque de toute façon... Tu veux planter tes champs, sans Voilà. graines, pas de champs à planter. Oui. Donc c'est très bien aussi. Voilà, super. Magnifique. Ah, on a tout ça à replanter. Ça se trouve, je vais en avoir assez, là, déjà, maintenant. Oui, tu dois en avoir assez pour replanter le champ qui reste. On va voir. Parce que ça augmente vraiment beaucoup. Oui. Oui, les graines, c'est pour ça que j'ai mis, que je me suis fait un petit coffre. C'est parce que je me rappelais que les graines, voilà quoi. Une fois que t'en as assez, bah te rappelles sur les cubes 2, le champ gigantesque que j'avais fait, purée. Ouais, bon, oui, faut quand même pas faire ça. Oui, et du moment où l'eau est tombée dessus. Oui. Là, j'ai moins Voilà. rigolé, là. Quand Ouais. la flotte avait inondé mes champs et que ça m'avait tout enlevé, enfin pas tout, mais une grosse partie, enfin une bonne partie, j'étais fou, quoi. Oh, le fail. Oh, ce fail, comment je m'étais fail. Mais tu serais pas roi. Ah ouais. Écoute. Ah bah Sans tes écoute. fails. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec Fanta. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Fanta. Et à un moment, il dit, oh, il en est marre, il arrête pas de me fail et tout. Il dit, je suis trop un noob et tout. Je lui dis, mais Fanta, est-ce que tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui t'aiment pour ça? En fait, tu serais un gros pro intouchable qui mourrait jamais, qui tomberait jamais, etc. Les gens t'aimeraient moins sans rigoler, je suis sûr. Il me dit, ouais, tu crois et tout. N'oublie pas le clic-molette quand tu veux récupérer des. Le clic-molette. Oui, tu cliques molette pour les graines au lieu d'aller dans l'inventaire. Ah oui, exact. Ah oui, ça c'est vrai. Comment créer, hein? Ouais, c'est ça. Par contre, si je veux tout récupérer, ouais, je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça. De toute façon, je vais mettre direct dans le petit coffre. Allez, tout ça, on va le mettre dans un petit coffre ici. On s'en rappellera. Ouais. Allez, pampan. Ceci sera le début. Et d'ailleurs, même la houe, elle va dedans. La houe. Pas besoin d'une houe, sinon. Voilà. T'as une question de Valo Jackson qui te demande si, à l'époque où tu es, est-ce que les maisons dans les arbres existaient? Les maisons quoi? Les maisons dans les arbres. Maisons dans les arbres. Dans les arbres existaient. Ça a toujours Maisons existé dans les ça a arbres. toujours existé une maison dans les arbres, je pense. Non,
de tout temps, de tout, je crois que de tout temps, les enfants ont toujours voulu faire des maisons dans les arbres, non? Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais je pense. Pourquoi il veut que je fasse une maison dans un arbre? Non, c'est juste une question. D'accord. Une question comme ça. Oh, je pense que ça fait très longtemps que les enfants font des cabanes dans les arbres. Quand je dis très longtemps, c'est à mon avis bien avant, même déjà avant le Moyen-Âge. Hein. Parce que t'as une notion de protection, t'as en hauteur. Je crois que de tout temps, les enfants ont toujours aimé grimper aux arbres. Et de tout temps, même je suis sûr du temps des Romains, t'entends les mamans qui appelaient leurs enfants « Non, ne monte pas dans les arbres !» En latin, ils disaient ça. Hein. « Pierum, Dominicum, Comum, Issitum !» Tu vois, et puis... Tu vas te cassoum la gaz. La margoulous. C'est ça, donc non, mais ça c'est sûr et certain. J'en suis sûr, puisque en fait, moi, j'ai lu pas mal de textes, même grecs très anciens, hein, qui ont 3000 ans et tout. Et ce qui est trop drôle, c'est les. Attends. Tu prends des textes écrits par les Grecs il y a 3000 ans et tu les remets aujourd'hui, c'est toujours valable. Ouais, tu vois, ouais. Par exemple, je me rappelle d'un disciple de Platon qui disait les enfants, maintenant, c'est plus comme dans le temps, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de. Tu vois, j'étais mort de rire, quoi. Je dis, mais allô, quoi. Tu... si j'entends des vieux qui disent la même chose aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est trop drôle, quoi. Tu vois, c'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle, quoi. Tu te dis, en effet. Alors là, par contre, depuis tout à l'heure, moi, ce mouvement de terrain me gêne. Voilà. Donc si un mouvement de terrain me gêne, eh ben, on terraforme et puis c'est tout. C'est assez sympa, là. François Joseph dit, confirme, c'est les fails qui font ton charme. D'ailleurs, après tant d'épisodes sans mourir, je pense à me désabonner. C'est vrai que, dis donc, là ça fait un sacré paquet d'heures que je suis pas mort et je suis prudent. Puis en même temps, il n'y a personne qui est là pour m'enquiquiner. On en parlait avec Joël juste avant. Alors, c'est vrai que quand il n'y a personne qui est là pour t'enquiquiner, ça, comme par magie, ça va mieux quoi. Hein. On va se faire un chemin qui va être là. Est-ce que ça, je le garde? Est-ce que je le garde, ce truc-là? Non, hein, ça sert à rien. Est-ce qu'on garde un peu d'eau ou pas? Non, ça sert à rien. L'autre mare est plus jolie. Ouais, celle non, qui est en deux, descente en deux. Ouais, celle-là, je la vire aussi. Surtout celle-là, à l'endroit où elle est, m'embête un peu. Pareil, le terrain qui est là, il m'embête un peu. Bon, allez, on va virer ça. Tranquillou. Ok. Alors, du coup, si j'ai une descente de terrain ici, j'aurai mon chemin, ouais. Allez. On va pas faire son feignant. De toute façon, de la dirt, ouais, j'en ai de la dirt. Ça va vite, hein. Quand t'imagines que un petit carré de 8 par 8, bah t'as déjà un stack de bouffées, quoi. Ouais, ça file terriblement vite. Ça va très vite, hein. Ça va très vite à faire beaucoup de cubes. Bon, voilà. Bon, ça, c'est mieux. Voilà. On verra le chemin, il ira par ici, et puis on rejoindra le village par là-bas, et tout. Parce que j'ai l'intention de faire des chemins, il va y avoir des ponts, enfin, vous allez voir, ce sera petit à petit. Voilà, donc là, ici, on sera bien, il y aura le chemin là. Donc, du coup, on va avoir une ferme ici. Je pense que la petite ferme, ouais, ici, elle va être bien, ici, la petite ferme, hein, à côté des champs, là. Tuk-tuk-tuk. Avec un petit corps de ferme, pas loin, là, il y a une petite mare aux cochons. Peut-être pas... Mais là où t'as l'arbre, ça pourrait faire joli en... Ouais. Ouais, j'aime en mettant beaucoup, autour de l'enclos, de garder le dénivelé comme ça. Oui, j'aime bien aussi comment ça fait.
Ouais. Il y a juste que le terrain là qui me paraît un peu trop à mon goût, ici. Par contre, cet arbre là, je vais le garder, donc du coup, il va falloir lui rajouter un tronc de oak. Mais là, il était un peu haut à mon goût. Surtout que le terrain derrière est pas très joli. Là, c'est un petit peu moche, là, par là. En bas, autour de l'eau, tu peux faire aussi le clic droit avec la pelle là pour faire le terrain. Tu vois, Parce qu'on est de boucher, là. Je suis en train de me demander. Ouais. On va voir. c'est la triche. Je suis en train de me demander. Je suis en train de. Je... Allez. On va virer cette petite partie-là qui est bizarre. Tu te demandes pourquoi il y a ça ici. Ça fait un peu gros la butte. Voilà. Et on va la rajouter plutôt ici. Là, on va boucher là. Ou on va refaire le terrain à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on va couper là, ici. Hop. On va prendre de la dirt qui va venir ici comme ça. Qui va boucher. Là, ça va être bouché là, ici comme ça. Tac. Et donc ça, on va le couper. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus logique. Si on peut dire qu'un terrain est logique, mais quand même, si, un petit peu quand même. Ça a la pelle? Ça va? Pas trop mal, non, ça va. Ok, alors du coup, l'arbre, pan, pan, ça y est, il est réparé. Très bien. Alors, tac. Là, on va laisser le terrain un petit peu dans ce style. Alors, par contre, ça très moche, hein, très très moche, très très moche. Donc, ça veut dire que là, on va boucher à cette hauteur-là. On va récupérer les fleurs parce qu'on va les, on va en mettre, hein, bien sûr. Ça, c'est parce que c'est une entrée de caverne ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Vous allez voir, le terrain, il va être beaucoup plus joli en mode comme ça. Et même là, si je veux faire des jolies courbes de niveau. Une torche dessous, tout le monde, tu vas avoir des araignées. Où ça? T'as fermé en laissant un de hauteur. Ah, oui, c'est vrai, Tu es en train de fermer. ouais, d'accord, je comprends. Oui, je vais mettre une torche. Moi, de toute façon, j'en ai plus qu'une. J'en ai plus qu'une à cet endroit-là. Eh, pourquoi il ne me l'a pas placé? Je deviens dingue. Je crois que je l'avais posé, et bon, je crois qu'elle a disparu, ou j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ça, c'est un truc que je pense jamais à mettre des torches en dessous. Pour éviter d'avoir des problèmes. Ce qu'il y a surtout, bon, c'était les araignées, les zombies et ça, quoi. En plus, il y a le cochon qui est là. C'est super. On l'amènera plus dans la zone là-bas. Alors du coup, là on va être mieux, mais par contre là c'est encore un petit peu trop. Voilà, le terrain était un petit peu trop. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux. Ici, pour le petit chemin qui partira là-bas. Voilà, qu'on fasse un terrain qui soit quand même plus joli. C'est pas mal ça, madame. Ok, non, très bien, très bien, très bien. Il faudra que je trouve. Ah non, on peut le crafter maintenant, l'espèce de puzzle là. La course dirt. Ouais. Oui, on peut. La course dirt, oui, c'est deux de terre et puis Gravier. deux gravier en diagonale. Ok. On va se mettre des fleurs, je vais les garder, on va les mettre. J'aimais bien ce petit coin, ça faisait un peu féerique, mais on avait du mal à y croire. Voilà, donc ce que je vais faire en fait à cet endroit-là, c'est qu'on va faire une mare aux cochons.
On va faire une mare aux cochons. On va quand même laisser des petites fleurs derrière. Même si, si c'était une vraie mare aux cochons, je peux vous dire qu'il y en a qui ne seraient pas gênés. Hein, pour manger tout ça. Ouais, on va les mettre plus en hauteur, les fleurs, plus dans les hauteurs ici. Au-dessus. Ouais, tiens, on va fleurir un petit peu tout ce petit coin-là. Ça va être mimi. Voilà. Deux petites fleurs par ici. Deux petites fleurs par là. Voilà. Voilà, ça va faire un petit coin tout mimi. Tac, tac, tac. Une là. Une ici. Voilà. On garde un petit coin de paradis. Alors, donc, et ici, tu vois, je vais mettre de temps en temps... tiens, Maou. De temps en temps de la... Oula, j'ai un petit peu de rollback. Voilà, on va mettre... attends. Le soleil se couche. Un petit dodo. Hop là. J'ai fait une demande à Roi sur YouTube. Oui, je t'ai répondu, Fredo. Oui, je crois que je t'ai répondu. Parce qu'au début, j'avais cliqué par mail, parce que moi, je reçois tous mes trucs par email. Je t'avais répondu par mail, mais en fait, je peux pas répondre par mail. Normalement, je t'ai répondu, mon pépère. Voilà. Oui, alors, là où... Donc, de temps en temps, on va faire un petit truc comme ça, de temps en temps. Et un petit peu de temps en temps, on va mettre de la corse d'ort. C'est pour bien montrer que c'est une mare aux cochons. Et puis, on va mettre des petits cochons. Ah oui, alors par contre, il me faudra de la ficelle. Ça fait mare aux cochons, je trouve, quand tu fais des trucs un peu dans ce style. Je trouve. Ouais, ça fait mare aux cochons. Mais ça va pas... Bah, si je saute pas dessus, vu qu'il y a l'eau qui est pas loin... Ah oui, il y a l'eau. Oui, c'est pour ça. Il y a que celle... Tiens, par exemple, celle-là risque de sauter. Ceux qui sont à plus de 4, ils risquent de sauter. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, tout ce qui est au bord de l'eau, ça bougera pas. Si je viens pas sauter dessus comme un boulet, normalement ça va aller. Ok, donc, ouais, si, c'est bien une petite mare aux cochons comme ça. Alors, du coup, mare aux cochons, il y a le cochon. Mais c'est bien, parce qu'on en a des... Vraiment, ils sont pas loin. Hein. On va les ramener... les cochons, c'est quoi qu'ils aiment bien? C'est le blé ou c'est quoi? Ou les graines? C'est... Je sais plus. Attends, blé? Non, pas blé. Alors, c'est les graines, alors, qu'ils aiment bien. Non, c'est les carottes. C'est les carottes. Ok, c'est les carottes. Les carottes ou... Ouais, carottes pour les attirer. Carottes. Oh, je crois qu'il y en a dans le village là-bas. Ouais, attends. On n'a pas planté des carottes. Non, j'en ai même pas planté des. Ah, bah tiens, on va se faire un champ de carottes pour la peine. On va aller en chercher. On va aller en chercher. Ah, ouais, mais l'appel. Oui, l'appel, en fait, c'est pour faire des chemins. Ça... Ouais, tu me diras. Mais ça fait. Et puis ça fait moins. Ça fait moins marre au cochon, je trouve. Mais effectivement, sinon, c'était une bonne idée. Alors ouais, c'était gravier, c'est gravier, avec du gravier, je crois. Hein. Ouais, gravier et terre, en diagonale, dans ton inventaire. Ah oui, mais du gravier, du coup, j'en ai presque... Ah si, un petit peu quand même. Tiens, on va prendre 32, on va voir. Et oui, je sais plus comment est-ce qu'on fait, on met... Bah, ça t'en donne 64, hein. Comme ça, c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est comme ça, comme ça. Tu peux même en prendre 16. Comme ça, c'est ça. Corse d'orte. Ouais, super, c'est ça. Non, non, juste sur 4. Pas sur... Oui, c'est ça, je viens de m'en rappeler. Oui. D'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a le décalage. C'est un corse d'orte. Tiens, paf, j'en ai... Oh, j'en ai un stack, même de trop. Et on a dit qu'on allait chercher des carottes. Ouais, de toute façon, je crois qu'il y en a dans le petit village là-bas. On va voir. Allez, on va se faire un truc sympa, vous allez voir, ça va être cool. Ça va être cool. Par contre, je regarde pas trop le chat LD, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas, les amis. Je suis. Super, super, mon Yuki. Alors, il faudra d'abord leur mettre... Ouais, là, attends, on va en mettre tout de suite un petit peu de la corse d'or. C'est bien ça. Ouais, c'est la course d'or. Ah oui, Aaron suggère aussi éventuellement un peu de béton marron
mais en poudre. Donc, il faut pas le mettre près de l'eau, parce que moi, il se transforme. Mais, du béton en poudre. Ça, ça me fait rigoler. En gros, du ciment. Oui. Non, mais c'est le béton en poudre. C'est ça. Oui, non, c'est valide, hein, c'est valide. C'est juste que l'expression me fait rigoler, en fait. C'est du béton en poudre. Mais c'est valide. C'est valide. Voilà, en fait, je voulais en mettre juste un petit peu comme ça, tu vois, ça suffit largement. Voilà, on voit bien que ça fait lac gadou. Voilà, comme ça, on aura... Oui, comme ça, on va mettre les barrières juste là, tac, tac, tac. On fera une petite entrée par là. Et donc, il faut, du coup, enfermer notre petit cochon. Donc, on se mettra une petite barrière. Alors là, par contre, du coup, ça va nous enquiquiner. Parce que si on veut enfermer notre petit cochon, là, d'ailleurs, il faut même blinder. Ah, c'est la corde verte. Je peux enlever ça un petit peu. On va mettre comme ça, puis on fermera. La barrière, elle passera derrière l'arbre, là. Ici, ouais, ça passera là. Par contre, les bestiaux pourront rentrer ou pas? Par-dessus. Non, ils pourront pas. Donc c'est bon, la barrière passera là, là, là. Et puis on passera... Est-ce qu'on passera par là, derrière, par ici? Comme ça. Ici, ça passerait comme ça. Pouet, pouet, pouet. Du coup, on va pouvoir replanter nos autres fleurs qu'on a enlevées. Toujours dans des endroits stratégiques, genre... là. Là, c'est bien. Et les autres fleurs. Donc, on va mettre une jolie là dans le coin. Une autre. Jean-François. François-Joseph demande si tu, au cochon, tu vas faire une maison en paille, en bois ou en brique. Les trois. Les trois. On va commencer par la maison en paille. Et puis, le loup va arriver. Bonsoir. Je suis le grand méchant loup. Et bienvenue. Bienvenue sur mon petit monde solo en hardcore. Je fais bien. Ah, purée, les barres qu'on s'est tapé avec Bob. Qu'est-ce que je voulais? Des carottes, bien sûr. Bonsoir. Des carottes. C'est Bouboune qui a fait ça? Tu vois, je t'ai reconnu quand même. J'ai essayé d'imiter Mayuko, mais ça... Ah non, voilà. Excuse-moi, attends, excuse-moi la jury, là. Mayuko, note, on est quel jour, là? On est jeudi. On est le 20 juillet. Et il faudra se rappeler de dire à Mayuko de regarder la rediff absolument. Parce que là, honnêtement, le jour où Mayuko elle arrive en faisant bonsoir, là j'ai peur pour... C'est ça. Mais bon, l'intention y était, hein, donc c'était quand même... Voilà. Alors, je vais lui envoyer un petit MP. À défaut d'avoir la vraie, bon... Voilà. C'est bien aussi, hein, Bouboune, on est content d'avoir mon pépère. Ouais, bon... J'aurais pu venir à cheval. Je sais pas pourquoi je suis pas... Ah, d'ailleurs, il est où, le Tcho? Oui, je crois que c'est un librairien aussi. Ah oui, mais il a grandi, en plus, on avait dit qu'il fallait qu'on... Attends. Pelle. Ah, il va falloir qu'on le débloque, lui, le Tcho pépère. Un peu de papier, rien. T'as du papier? Pourquoi t'as envie de... Bon, d'accord. Alors, du coup, lui, c'est pareil, on va le protéger. Lui, on le protège en mending. Mais bon, à 27 émeraudes, hein, quand même. Hein, c'est cher. Hein. Et donc, ah oui, des carottes, on voulait des carottes. Alors, est-ce qu'ils ont des carottes, eux? Patates. C'est quoi, ça? C'est des carottes? Je vois pas. J'arrive pas à voir. Non, patates. Patates. Bon, tout ça, c'est patates ou blé. Bon, alors, d'accord. Patates ou blé. Là-bas, en bas. Patates ou blé. Purée. Ils ont des patates ou du blé, là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je sais que j'en ai un autre champ par là. Voilà. C'est du blé. Ou des patates. Et en bas... Tiens, tu regardes, il y a que du blé et des patates? C'est un peu abusé, quoi. Oh, il n'y a pas de carottes. Il n'y a pas de carottes. Bon, c'est pas grave, j'ai mon autre village. Alors, j'ai mon autre village qui est pas loin.
chez un autre village. Là d'ailleurs, faudra refaire la rivière, mais bon, allez, ça sera ultérieurement. J'ai tellement de trucs, j'ai envie de faire tellement de trucs. Alors j'ai un village qui est là-bas. Puisque même le train, j'ai dit que le train, on l'amènera au deuxième village. Il n'est pas trop loin. Attends, je mets ma rediff du YouTube en même temps, j'ai pas besoin de regarder les deux. Faudrait que je mange aussi, hein, ce serait bien. Eux, je suis sûr qu'ils ont des carottes. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, et Aaron qui dit après Joël en mer grand, Joël en cochonne. Ah là là, je te jure. Bah, j'allais dire autre chose, mais. Bon, cochonne, c'est attention, c'est attention, attention. Mais bon, c'est parce qu'ils ont parlé des cochons. Les rois mangent. Ouais, je mange. Tiens, je mange des frites en plus. En plus, à midi, j'ai mangé des frites. Je pense à Aurélien. Est-ce que tu penses à Aurélien? Non, c'est des patates, ça. Donc, vous êtes sérieux? Eh, vous êtes sérieux? Mais tu peux pas attirer... Oh, tu peux les nourrir avec des patates, mais est-ce que tu peux pas les attirer aussi avec les patates? Attends, je regarde. Non, mais ils ont bien des carottes, quand même, ici. Purée, t'es sérieux? De toute façon, on avait plein de villages, il y en avait plein des villages. Hein. On a dit, oh, il y a des villages partout. Ah, je crois qu'il faisait nuit déjà. Non, pas encore. Ouais, bientôt. Hein. Ah, ça flippe, hein, les gars. Hein. Ah, ça rigole plus, là. Ah, c'est quand, il, quand il fait nuit, de toute façon, ils vont se cacher. Hein. C'est un cartographeur. Allez, coucouche. Allez, coucouche, panier. Bon, allez, moi, je vais faire un petit dodo. Alors... Et t'as fermé la porte au nez, quel malhonnête. Ouh, il manque des portes ici. Alors donc, des carottes. Donc y a pas de carottes. C'est quoi ça? Si, c'est des carottes. Hurrah! Hurrah! On a des carottes, les amis. C'est marrant qu'ils aient... Non, non, mais laisse-moi des carottes, dégage! Bourse molle, c'est pour moi les carottes. Je vais te replanter, je vais te replanter. Ah, c'est éliminé, là. Là, c'est des carottes, ok. Pousse-toi, pousse-toi. À moi, à moi, à moi. Tiens, ça, c'est des carottes. Tiens, je te le repousse. Je vais même te... Non, mais vous n'avez pas besoin de carottes. Vous, c'est pas bon pour ce que vous avez. Voilà. Je suis sympa, tu vois. Je vais faire repousser les trucs. Bon, moi, j'ai 11 carottes. 11 carottes, on va pas aller loin avec 11 carottes. Hein. Ça s'en est? Bah, tu te feras ton champ. Oui, il s'en est. Tu fais le champ, puis tu le cueilleras à la fortune. Oui, tout à fait. Ça va vite. Oui, de toute façon, ça va aller vite. Attends, je crois que c'en est, je crois que c'en est ça. Des carottes. Ouais, super. C'est des carottes. Ça s'en est ça. Ouais, super. À moi. J'avais dû passer par ici un coup et puis il n'y a plus d'autres carottes, non? Faut la... On les reconnaît à la tige. Bien sûr. Oui, on parle bien de carottes. Hein. Oui, 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 oui. Ah, si je te dis... Ma mère, elle en sort pas souvent des blagues, mais alors quand elle en sort... Mais bon, je peux pas trop la raconter. Pourquoi tu gaspilles ta bonne mille, là? Pour leur faire repousser, parce que je suis bête et... Ça va pousser tout seul. Oui, ça va, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Ça va pousser tout seul. Ah, purée, faut que je me calme. Ouais. Je suis en train de... Ah, je te jure, mais même mon père, il était mort de rire, il était surpris que ma mère nous sorte un truc pareil. Mais bon, je vous raconterai après le live. Surtout venant de ma mère. Purée. Ma mère est une femme très pieuse et très pratiquante. Mais bon, ça l'empêche pas de temps en temps sortir des grosses blagues bien pourries. Mais là, j'avoue que celle-là, elle battait tous les records. Pas piquer des hannetons. Ouais, non, puis en plus, je peux même pas la dire à tout le monde.
Ben voilà. C'est dommage. Alors, regardez mon petit château de loin, ouais. Ah, j'adore, hey, quand t'arrives ici, honnêtement, hey, tu vois ça, ça fait plaisir. Alors là, le petit village donc qui est là-bas. Alors ici, vous voyez, j'avais mis de la stone brick, pourquoi? Parce que dans l'avenir, on mettra un pont pour venir à Dada. Alors par contre, si on vient à Dada, il faudra qu'on regarde par où est-ce qu'on passe. Bon, on fera un chemin, on verra, on étudiera le chemin. Mais c'est vrai que... Ah, ouais, il y a des... Ouais, on fera une croisée de chemin. Un chemin qui ira au village là-bas, et puis qui partira beaucoup plus loin. Et un autre... Qui rejoindra... Bah, je pense qu'on longera la route, on longera la ligne de chemin de fer. On mettra peut-être quand même des petits arbres de temps en temps. Tu vois, un petit oak, une rangée de platanes. Alors, donc on a nos carottes. Alors, on a nos carottes. J'ai Maou. Maou, par contre, elle est en train de pleurer là-haut. Ouais. Tu me diras, ça coûte que deux bouts de fer, Osef. Hein. C'est pas grave. On va pas pleurer pour deux petits bouts de fer à son pépère. Alors, le petit champ de carottes, on va se le mettre par ici. Ouais, ici, ça va être bien, le petit champ de carottes, ici. Juste là. Juste là, là. Donc on va se faire une petite rangée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'on a 4? 1, 2, 3 et 4. Oh purée. 1, 2, 3 et 4. Magnifique! Faut mettre l'eau avant. Ça marche mieux. Alors, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oh, de l'eau. Ah bah, il était plein, lui. Hop! De l'eau! Et on se décale de deux. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette et pouette. Voilà. Super. Donc là, on a plus que faire. 1, 2, 3 et 4. Pensez-nous, le cercle des pouettes-pouettes disparu. Oh, oh. Oh oui, c'est nul. Non, non, c'est marrant, c'est marrant. Et voilà. Le cercle des pouettes-pouettes disparu. Non, quoi, quoi. Ah, ça y est, bah, elle est morte là-haut. Pouette-pouette. Pouette-pouette. Alors, ce... Ah oui, c'est vrai que Marc, il est sorti il y a longtemps, ce film-là. Les gens, si vous... les amis, si vous n'avez pas encore vu le film Le Cercle des Poètes Disparus, je vous le conseille fortement. C'est un film extraordinaire. J'adore le passage... Bon, ça spoil pas, c'est au début. C'est au début du film. En fait, c'est un prof qui est vraiment super, mais dans l'Angleterre, très puritaine, début du 20e, voilà, dans un collège très sélect et tout. Et le prof, lui, il a des idées assez, voilà, profite de la vie, tout ça. Et justement, quand il fait, oh, écoutez, qu'il regarde les photos des anciens élèves, il prend ses élèves et il regarde, regardez les anciens élèves, écoutez ce qu'ils vous disent, puis il fait, carpe, carpe diem. Oui, oh, capitaine, mon capitaine, exactement, François-Joseph. Bon, enfin, on va pas raconter le film, mais vous allez voir, et en fait, toute la moralité du film, c'est beaucoup ça, c'est profiter du moment présent. Ah, j'ai des frissons, rien d'y penser. Profite alors, du moment bien. Présent, parce que dans son temps, tu seras mort. Ouais, super. En fait, la morale de l'histoire, c'est un petit peu ça, mais allez, c'est vraiment une super belle histoire, sincèrement, c'est vraiment une très, très, très belle, un très, très beau film. Super film. Ouais. On dira que Carpe Diem, c'est le YOLO des gens Corse. Ouais, non, c'est vraiment un beau film, les amis. Ouais, non, mais c'est... Voilà, tu sais quoi, regardez, François-Joseph. Qu'est-ce que je voulais je suis venu là, ah oui, pour me refaire une... Ouh. Ouais, avec Robin Williams. Ouh, où ça? Oh, il y a plein de films que je pourrais vous conseiller qui sont vraiment super. C'est vrai qu'il y en a certains. Pareil, le film Ceux qui ne l'ont jamais vu, Danse avec les loups avec Kevin Costner, c'est un film. Pour le moi, film c'est. Préféré de Roy. C'est un de mes films préférés, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'adore ce film-là. Je connais par cœur, je connais toutes les répliques, tout, mais c'est vraiment. J'ai déjà vu ce film-là, Danse avec les loups. Ouais. J'ai dû le voir quand on est plus jeune. Je peux même te le dire en Sioux, si tu veux. Danse avec les loups. Je peux te le dire en Sioux. Ça se traduit, ça se dit Tu mané to ton kawajde. Il l'a vu tellement de fois le film qu'il sait par cœur. Je sais te dire en Sioux. MDR. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Ça, je troll pas, c'est vrai ce que je suis en train de dire.
Oh, les carottes ne sont pas cuites. Mais on va les planter. Les carottes ne sont pas cuites. Je répète, les carottes ne sont pas cuites. Le boucher est allé chez le facteur. Pendant la guerre. Alors là, ouais, pour ceux qui comprennent pas trop ce qu'on est en train de dire, pendant la guerre, il y avait des messages très importants pour les résistants, pour savoir s'ils allaient avoir des largages, pour savoir si une opération était annulée ou pas. Et donc, ils avaient des noms de code, comme les Allemands écoutaient vraiment tout. Mais du coup, ils racontaient des... Voilà, il y a... Chaque résistant, ils écoutaient un petit peu, donc à la radio anglaise, tous les messages privés. Et d'ailleurs, le fameux message, les carottes sont cuites et j'aime machin. Roi, la fortune. Ah, crotte, ah, oui. Ah, bon, j'en ai 54 quand même. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et donc, du coup, ça, c'était pour le débarquement, hein. Il y avait un truc pendant le débarquement, c'était ça. Il y avait des messages dans ce style. Et le message du débarquement, c'était ça, c'était le... c'est un poème, c'est un poème de je sais plus qui. Bravo ? Je sais pas. Je crois. Voilà, alors du coup... 1, 2... 3, 2, avec la poudre de... Et n'oublie pas la fortune. Oui, oui, j'ai oublié le coup d'avant. Il y en a avec le décalage. Bon, ouais, la fortune pas. Allez, la fortune. La roue de la fortune. Il y a Fredo qui propose les sanglots longs de violon. Oui, c'est ça. C'est ça. Berce. Les sangles longs des violons de l'automne, berce mon cœur d'une langueur monotone. Automne. Voilà, c'est ça. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des choses. Tu le connais par cœur. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Là, de là, pareil à la mémoire. Si ça, c'est pas de la mémoire. Attends, moi je clappe. Je clappe parce que honnêtement. Aussi, il y a des trucs que je me rappelle, plus des chansons que des... Ouais, mais chansons bravo. Paillardes. Oh, oh. Paillardes, mais presque. Le petit cahier. Et fait nouille, dodo. Et fait nouille. Voilà. Allez, là, du coup, on est bien, les amis, on est bien. Les cochons vont être très contents, mais avant de mettre les cochons, qu'est-ce qu'il faut? Bah, des petites barrières, bien sûr. On va enfermer les cochons là-dedans. Attends, j'aime pas me balader avec un lit dans les bras, ça fait un peu bizarre. T'es en déménagement, vieux ? Non, non, bah pourquoi tu tiens ton lit dans tes bras ? Au cas où. Oh, El Dragon ! Oh, ça me fait super plaisir, ma nénette. Ah, de retour, ouais, c'est vrai que t'étais pas là pendant un petit moment. En tout cas, gros bisous, gros cœur, et bienvenue, re-bienvenue, ça me fait super plaisir. Arte n'a qu'à bien se tenir. Alors, c'est vrai que quand t'es pas tout jeune, l'avantage c'est que t'as pas mal de connaissances, de trucs, et donc du coup c'est vrai qu'en live, moi je sais toujours quoi dire. Hein. C'est vrai que des fois je vois des lives où ça m'arrive. Je critique pas, attention, je critique pas. Après, il y en a qui aiment bien avoir juste un fond musical et quelqu'un qui joue comme ça, mais. Enfin, je sais pas, moi je pense que. Moi j'aime bien animer, tu sais que. Voilà, raconter un petit peu plein de trucs rigolos, tu vois, enfin je sais pas. Mais bon, après chacun fait comme il veut, mais l'avantage justement c'est qu'on n'est pas tout jeune, et ben l'avantage c'est qu'on a plein d'anecdotes. Donc c'est très bien. Alors, du coup, y a du blé, y a des carottes. Non, c'est bon. Des barrières. De Paul Verlaine, oui merci. C'est Verlaine, c'est ça. Enfin, façon Verlaine et... Bon, allez, on va rien dire. Mais ils s'entendaient très bien. Verlaine et Rimbaud étaient de très, très, très... Oui, ils étaient très, très proches. Très, très proches. Très proches.
Du genre, tu sais... Trop proche voilà. De la moralité de l'époque. Ouais, on tu sais... Hein, les Grecs, c'est pas d'hier non plus. Hein, donc, oui, mais... Oui, oui, c'est sûr qu'au niveau religion et tout, ça ne faisait pas très bien. Hein. Ils étaient très mal vus à l'époque. Oulala, c'était... C'était très mal vu. Alors, donc, du coup... des barrières, voilà, je me dis, attends, je vais pas y arriver, hein. Sauf que des barrières, je vais manger tout mon stock de bois, là. Là, on va se faire des bâtons. Pan. Là, on va se faire... Peut-être pas autant que ça. Je peux dire quelque chose. Mais bien sûr, Joël. Il y a quelqu'un qui est triste de dire je ne peux pas être sponsor, faire partie du gratin. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit, tout le monde est important. Et puis, un geste que tout le monde peut faire, c'est de mettre un pouce bleu si vous aimez. Oui, vous inquiétez pas. Écoutez, je suis... Voilà. Ceux qui peuvent, ça... évidemment que je suis content qu'il y ait des sponsors ou ceux qui me font des tips. Évidemment que ça me fait plaisir et ça m'aide à survivre dans ce monde de brut. Hein. C'est vrai. Mais ceux qui peuvent pas, oh là là, c'est pas grave, vous pouvez pas. Il n'y a pas mort d'homme, les amis. C'est... Voilà, vous pouvez pas. Rien que le fait déjà de suivre les lives et tout, rien que ça, déjà c'est une très bonne chose et ça m'aide de toute façon énormément. Et moi ça me fait plaisir que vous soyez là et puis voilà. Alors, ouais, Aurélien il est très sensé, il est très très sensé également pour répondre à Aaron. Très très sensé. Alors du coup, bon, c'est pas tout ça, mais en attendant, on n'avance pas, hein, on n'avance pas beaucoup. Je vais faire des barrières, ouais. Sorcière prend un raccourci très rapide. Tu as dit, je vais manger tout mon stock de bois. Elle dit donc, roi est une termite. D'accord. Oui, sauf que là, en plus, j'ai fait mon boulet. J'ai fait trop de barrières et j'ai plus, je peux plus faire de... Des fences, tu sais, les fences intermédiaires, quand il faut que je me fasse un sapin. Un sapin, il y a sapin. Sapine, sapin. Allez. Ça pue le sapin. 1, 2, 3, 4. On va s'en faire juste un bridou. Allez, juste un bridou. J'ai plus de poudre de perlimpinpin. Si. J'ai pas tout mangé, tout ma poudre de perlimpinpin. Non, mais mon, elle est noire. Alors, je vais vous laisser. Ok, Joël, bonne soirée à toi. Merci beaucoup de ta présence de Baby Live. Et on te fait tous des gros bisous. Ouais, puis il y a Bouboune qui est là. Oui, il y a mon Bouboune. Il peut aussi regarder un tout petit peu le YouTube. Voilà. Pour relayer des questions que tu verrais pas, parce que des fois, tu vois pas clair. Ça m'arrive. Non, mais c'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Allez, gros bisous, Joël. Bye bye. Tout. Youp. Allez, le petit sapin. Je peux pas tarder. Ici, ouais, non mais moi aussi en fait, hein, je vais y aller aussi. Je rigole. Et moi vraiment en plus. Oui, non mais il n'y a pas de problème mon bouboune, ça me fait plaisir quand tu passes mon pépère, t'inquiète pas. Oui. Oui. Je pense que j'aurai revenu avant la fin du live. Après ça dépend, tu finis le live à quelle heure comme dans d'habitude, les 20h30 à peu près, à la louche tu vois. Ouais, donc normalement je serai rentré avant, donc je serai là pour la fin. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et si tu manges entre temps, bon appétit, mon pépère. Non, j'arrive pas à manger, c'est juste que je dois aller chez ma soeur. Oui, que non, mais c'est pas grave. Non, mais je mange après, moi, je mange souvent vers 20h. Ouais, ah ouais, moi-même, beaucoup encore plus tard que ça, perso. C'est pas bien, je sais, mais. C'est plutôt 21h que je mange. Voilà, couchez le chien. Alors. Couchez le Médor. Des sapines, j'en ai plein d'autres, hein, je crois, attends. On reviendra pour voir dès qu'il y en aura 4. Attends, je vais peut-être les avoir. 1, 2. 3. Un autre sapine. Juste pour récupérer les 4. Je me débrouille toujours. Ah tiens, il est là. Il y en a un là. Super. Voilà, comme ça on est tranquille. On a récupéré notre dû. Oh yeah. Alors. Donc on va commencer à ramener des cochons. Pour une petite ferme. C'est normal. Sauf que on va faire un début de barrière. Alors, début de barrière.
qui va être... Tac, 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 tac. Accrote. Un peu vite, là. Hop là. On va faire une entrée par ici. Tu vois. Côté de la ferme, là, bien. Sauf qu'on on va pas la mettre tout de suite. Je vais même laisser une grosse ouverture là. C'est pas là qu'on avait dit qu'on passerait, non, celle-là. Bon, de toute façon, faut pas que ça soit trop droit non plus. C'est ça qui est joli. C'est quand c'est pas trop droit. Ouais, c'est sympa. Oh, la petite marin grenouille. Ça fait vraiment une petite marin grenouille. Ouais, ouais, c'est mignon. Et ça va être une marin cochon, en fait. Une marin cochon, une marin canard. Ouais, on va ramener des canards, des cochons, et on va les coller tous là-dedans. Les canards... Ah bah si, j'avais... Ah bah non, j'ai plus d'œufs. Oh, il y en avait plein. Pourquoi tu mets pas tes barrières à gauche et tes haches à droite? Parce que moi je suis à l'ancienne, moi. Moi je suis de la vieille école, moi. Tu vois, je sais pas me servir de ma main gauche, mais même IRL, hein, je suis à manche avec ma main gauche, tu vois, elle est là, je la mets là. Si ça fait des cheveux, oh, comme ça, tu vois. Hop là, oh, t'as vu. Sinon, c'est vrai, mais même quand je mine, hein, je mine encore à l'ancienne, hein. J'ai du mal à mettre ma torche dans la main gauche. Ça va, t'es folle, vite pour le bide. Si tu me vois sur en facecam, tu vas être mort de rire. On voit. Oui, je suis en train de faire le guignol. Roi, la finale, c'est pour moi si tu vas nous faire un petit moulin sur la colline. Ah, je trouve que c'est... le problème, c'est que là, la colline... toute façon, il y a forcément... De toute façon, on va faire... On va le faire peut-être dans le village plutôt. Quoique normalement, dans un château, il y avait quasiment tout le temps un moulin. Il était à l'extérieur, non? Le moulin. Oui, c'est ce qu'on appelait un moulin banal. Il y avait même un four banal. Mais quand on dit banal, c'est pas banal qu'il était normal, simple. Hein, non, ça veut dire que c'était comme mettre au banc. Et en fait, c'était la propriété du seigneur, et donc qui donnait la permission, enfin la permission, même l'obligation. Il obligeait donc tous les gens à utiliser son moulin, et il fallait qu'il paye donc une petite taxe pour effectivement. En même temps, souvent c'était le seul moulin dans le coin, donc c'est un petit peu obligé. Oui, c'est ça. Alors, t'aimes les carottes? Oh oui, t'aimes les carottes, hein, mon pépère. Ça se voit que t'as une bonne trombine, que t'aimes les carottes, hein, mon pépère. Allez, viens manger les bonnes carottes. Oh, miam, 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 miam. Oh, il est content, dis donc. Oh oui. Allez, on va aller dans la ferme, là, dans le... Oh, la belle mare au canard. Dis donc, dis donc. Allez, viens, on va aller même au fond. Je fais le tour de l'arbre. Oh, il n'y en a plus. Oh, j'ai un lit à la place, dis donc. Oh, comment je l'ai trollé. Je pense qu'il va pas ressortir. On va aller chercher l'autre vite fait. Attends, d'abord, on va faire un petit dodo pour être sûr. Ouais, on va attendre. Dodo ou pas dodo? Dodo! Ouais! Allez, on va aller chercher l'autre. Miam, miam, miam. Oh, la bonne carotte. Oh oui, la bonne carotte. Hein. Voilà, allez, viens, mon pépère. T'as vu, il passe même à travers... Oh, lui, c'est Indiana Jones. Indiana Jones, pig, qui vient avec nous. Viens, mon pépère. Tiens, il y a l'autre qui a repéré que... Viens, en plus, il y en a un copain. Et vous allez me faire un bébé tout de suite, vous. Hein. T'es prêt? Pan et pan. Allez, on range les carottes. On range les machins. On fera la... Oh! Pan, pan. On les ferme ici. The Parrot on the Beast. On the Bat. Quoi? On the Bait. The Parrots on the Bats. C'est un achievement, je pense parce que je les ai nourris, alors ils sont contents. Il y a un petit bébé cochon. Oui, un petit bébé cochon. Mon utro mimi. Alors par contre, faudra éclairer un petit peu autour de ça. Pas trop, mais un petit peu quand même. Hein. Alors donc, par contre, j'aurais bien aimé avoir des poules, mais le problème, c'est que les poules, on les a tous dégommées. Bah alors. Dedans. Peut-être pas tous, remarque. Je dis tous, mais...
là on a des moutons. Ah, quoi tu me diras, oui j'ai mes moutons, je les ai. J'en ai plus des moutons par là, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Purée, sur la colline on en avait plein. Oh il est une drôle de couleur lui. Ah non il est gris. J'ai l'impression qu'il était gris bleu. J'avais plein de poules et tout sur la montagne, enfin la colline qui était là. Oh il y a un petit lapin comme ça, des mimi. Ah lui il est mimi tiens. Bon ça c'est un Enderman qui a pouillé mon terrain encore. Voilà, voilà, il l'a pris, le bloc, il était là. Vous dites comment tu sais, c'est parce que j'avais fait un terrain qui était bien, bien arrondi exprès. Et donc si je vois un trou à un moment, je sais que c'est un Enderman qui s'est fait plaise. Ah. Il s'est fait plaise qu'à lui. Pas à nous. Ah oui, non, ça c'est une entrée de grotte, donc on laisse. Et puis là, c'est une autre entrée de grotte. Allez, on les laisse tranquille. Bon, il n'y a pas de patate en popo, là. Alors une ferme sans poupoule, c'est pas une ferme. Vous savez pas ce qu'on fera, on ira chercher des œufs. Et puis on en balancera en espérant qu'il y en a deux qui... Ouais, il y en aura deux qui... Ça va le faire. Oui, oh non. Il suffit que tu en as que quelques-unes. Charbon. Alors j'ai besoin de charbon, j'ai besoin de torches. Là, on va laisser tranquille les petits cochons. Ah si, attends, c'est pas tout. Il n'y a pas que ça que je voulais faire. Ah super, table de craft, j'en ai une. D'ailleurs, la table de craft, on va la laisser dans un coin. Pour faire genre, il y a une petite caisse à cet endroit-là, vous voyez. Et on va faire... Pouette, pouette. C'est... Et on fait attends, tourner les serviettes. C'est ça, c'est la c'est pour ça, pardon. Pour faire les blocs, il faut faire... C'est sur les côtés, c'est ça. Et des bâtons au milieu, je crois. Et là, ça fait... Non, c'est pas bon, c'est l'inverse. Quand t'as pique. Il y a C5 qui dit qu'en fait le droit de ban est une obligation du seigneur d'avoir un four, un moulin, un pressoir. Oui, mais en fait c'était. Enfin, c'est pas l'obligation du seigneur. En fait, c'est le seigneur qui obligeait ses ouailles, entre guillemets, ses. J'allais dire ses serviteurs, non, les gueux et tout qui étaient sous sa coupe, entre guillemets, les serfs, ce qu'on appelait aussi des serfs. Et donc, ils étaient obligés d'utiliser le moulin du village, d'utiliser le four du village, et etc. Le pressoir, pareil pour le pressoir. Et donc, voilà. Et donc, d'ailleurs, l'impôt qu'ils payaient pour ça, je me rappelle plus, mais on disait mettre au banc, justement, ça faisait partie. Hein, donc, mais alors, maintenant, dans les détails, je me rappelle plus exactement, mais sérieux, c'est ça vient de là, en fait. Hein. Plus de cœur ? Non, pas tout de suite ? T'attends un peu ? Bon, bah, on attend un peu. On va attendre un petit peu. Voilà. Alors là, pour l'instant, la petite ferme qu'on va se faire... Je suis en train de me demander en quoi je vais la faire, la petite ferme. Faut pas qu'elle soit grosse. Faut que j'arrive à faire une petite ferme. Ça, pour moi, ça va être plus compliqué. Je vais te laisser le petit roi. Le petit roi. Ok, mon bouboune. Je vais dire mon petit roi. Je vais oui, mais tu je peux reviens, m'appeler. Moi, j'aime bien. Quand tu m'appelles mon petit roi, ça me fait plaisir. Petit roi. Bon, j'en aurai tout à l'heure, je sais pas quand. Okay. Avec plaisir. Pas de problème. Une petite heure au max, si tout se passe bien. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Moi, je serai là. Voilà, bonne soirée, à plus tard. Bisous. Bonne soirée. Ok, donc là, on a des torches. Il va falloir plus de bois, parce qu'on va faire pierre. On va reprendre la stone brick pour le bas. De toute façon, de la cobble, j'en ai pas. Je dis de la stone brick, pourquoi? C'est parce que... Oh, regardez, j'en ai plein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en aimerais même de trop, là, cet endroit-là. Quoique ça part tellement vite. Ça part à une vitesse abusée. Voilà, pour faire le bas... De toute façon, il faudra... Ah, puis en plus, j'avais des cassés, des moussus, des... J'en ai plus. Crotte de bic. C'est pas grave, on peut en faire couiller. Hein. Oh tiens, le poisson est cuit. Le poisson est cuit. Les bâtons, plus besoin, on peut les ranger. Le petit bout de bois tout seul, là, on va le laisser là. Ça, je vais le garder, le spruce. Toute la dirt, là, j'ai pas besoin de tout ça pour le moment. Je regardais juste un stack sur moi. Le blé. Ah oui, ça, c'était pour des émeraudes, mais ça, on verra après. Donc, en attendant, le blé... Je le mets où le blé?
plutôt ouais, là. Il y a Zenon qui demande si toi, en botte de paille, ça irait bien. Bah, moi, je suis pas fan. Honnêtement, il y aurait des escaliers, ouais. Carrément, mais carrément, ça ferait super. Mais des gros blocs tout carrés pour faire des toits, moi, j'ai du mal. Ou alors, il faudrait, si on pourrait le faire, mais à une très grande échelle. Et du coup, les escaliers, enfin, les blocs ressembleraient à des escaliers, mais en faisant à grande échelle. Mais honnêtement, faire avec des gros blocs carrés les toits, moi, je trouve ça pas beau. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi, c'est dommage parce que la texture, je l'aime bien, mais. Voilà, j'aime bien un toit qui est quand même pentu, quoi, tu vois. Un toit avec des gros carrés comme ça, moi j'ai du mal. Hein. Honnêtement, je trouve ça pas très joli. Après, les goûts et les couleurs... Qu'est-ce que je voulais d'autre? Oui, je me suis toujours pas dit en quoi... En quoi on va faire les contours. Ah, c'est peut-être l'occasion d'utiliser du béton, dis donc. C'est peut-être l'occasion de tester du béton. Attends, je vais mettre des pierres cassées à cuire. Enfin, des pierres à cuire en mode cassé. C'est en plus ce que je voulais faire. Je vais mettre un stack. Donc, il va manquer un charbon. Je n'étais pas obligé d'en mettre juste le compte. Pareil pour faire des... C'est du lierre hein, qu'il faut. Hein. Comment du lierre, j'ai plus de chairs. Non. Des lianes, c'est bien. Des lianes. Oui. Avec le lierre et les lianes, c'est pareil. Tac. Les chairs. Heureusement que j'en avais ramené des chairs et que j'en ai. Oh, j'aurais été vert. Là, c'est facile, il suffit de découper tout le bas et puis après, ça va pousser. Enfin, même quand je dis tout le bas, c'est pas tout le bas parce que de toute façon, ça. Oh là là, ça pousse. Ce truc-là, ça pousse, c'est un truc de ouf. Ça va pousser, hein. Rassurez-vous, tout va descendre tranquillou. Ça, c'est ma petite plantation avec mon petit passage secret. Bah, pour l'instant, il est plus très secret. Mais t'as pas grave, ça pousse. C'est comme les cheveux, hein. Je me dis, oh, mais les cheveux et tout, mais ça pousse, c'est pas grave. Voilà, donc là, ça va descendre tranquillou. D'ailleurs, on va lui-même leur piquer une couche. Voilà, tout ça, ça va redescendre dru. Et d'ailleurs, combien j'en ai sur moi? 19 seulement, on va en faire pousser. On va les faire pousser, tiens, sur les murs, genre là. Quoique ici, non, c'est de mauvaise idée. Si on peut en mettre là, on va en faire pousser par là. Allez. Voilà, comme ça, ça va descendre. Et comme on est des ouf vieux dins, on va en mettre là. Et comme on est des ouf vieux dins, on va en mettre. Voilà, et puis tout ça, ça va pousser tranquille. Attends, je vais en péter un. Je vais en garder 8 juste pour faire de... Tu me diras, je m'embête à vouloir les faire tout de suite, mais j'aurais dû prendre un plus... Bon, allez, c'est pas grave. On le saura. Merci, madame. Voilà, comme ça, ça va pousser. Tranquille. Ok. Donc, du coup, pour le craft... je sais plus comment est-ce qu'on fait. On les met au milieu, c'est ça? Je crois, on les met au milieu. Et comme ça, c'est ça? Non, perdu. À côté. Ah oui, donc effectivement, ça fait que 8, ça fait pas... Non, c'est... Non, c'est cher. Ou alors, il y a autre solution comme j'avais fait. T'as le Stronghold aussi, ça c'est mieux. Ouais. Stronghold, c'est bien aussi, quoi. Ok, alors, donc petite ferme. Comment est-ce qu'on va la faire? Je ferais bien un petit hangar. Alors le petit hangar, on va se le faire où? Ici. Attends, pour l'instant, on va éclairer un petit peu. On va faire dedans. On va pas prendre de risques. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. À quoi ça sert les pépites de fer? À faire beau? Je sais pas. Il y a une utilisation pour les pépites de fer, c'est vrai? Non, je sais pas. S'il y avait une utilisation, non, j'en ai aucune idée.
À part faire des lingots, rien du tout. Là, il faudrait qu'on bouge tout ça. Et qu'on fasse... un petit entrepôt juste là. Voilà, comme ça, là on aura le petit entrepôt de la ferme. Et ici, là on va faire la petite ferme en elle-même, juste là, sur cette petite surface-là. Et le petit entrepôt là-bas. Alors, un petit entrepôt, ça va être facile, entre guillemets. Je vais juste faire une base en stone brick pour dire qu'ils ont construit sur du solide. Et tout le reste, ça sera bois et on va tester avec du béton blanc. Quand j'ai plus de dirt. Zut. Il y a des endroits où ça va pas du tout, ça. Quoique, j'en ai peut-être à la maison de la dirt. Ou alors, il n'y a pas un endroit qui est tout moche qu'on devrait désinguer un petit peu. Hein? Dis donc. Là, c'est pas un petit peu haut, là, ce truc-là, là? Non. Ouais. Ah, faut laisser quand même un petit peu de relief. Oh, on va laisser un petit peu de relief, sinon ça va... Quoique, attends. Là, je peux en retirer un petit peu. Hein. Allez, on en retire un petit peu ici. Voilà. Il était pas beau, ce relief-là. On va dégommer juste ça, c'est tout. Ouais, elle était un petit peu trop près à mon goût de cet endroit-là. Là. Ça va repousser de toute façon. Hein. T'inquiète pas, mon gars. Puis là, j'ai l'impression que ma pelle, elle avance pas. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est efficiency 2. D'accord. Ouais. Il va falloir quand même se refaire une pelle avec du mending et une pelle digne de ce nom. Avec un efficiency 4 dessus, ça m'allait beaucoup mieux. Voilà, on sert. Pas si la bonne dirt. La bonne dirt. Mouais. Voilà, c'est plus joli. Très important, hein, le terrain. C'est vrai que quand tu te promènes dans un endroit dans Minecraft, dès que le terrain est beau... Oh, regardez, qu'est-ce que c'est qui vole là-bas? Chauve-souris. Okay. Une pipisserelle. Voilà. Voilà. Alors, petit entrepôt. Popo. Qu'on va mettre ici. Donc, du coup, base en stone. Moi, j'y vais complètement à la mode, en mode YOLO. Je fais pas de plan. On va faire 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a comme largeur? 1, 2, 3. 3. Ça fait combien? Ça fait 9, ça. Allez. Allez, c'est bien. Ok. Donc là, on a la base de notre petit entrepôt. Hein. Et en fait, après, on va tout faire avec des poupoutes. Comme ça. Tac, tac. Combien est-ce qu'on en met? Est-ce qu'on en met beaucoup? Pas beaucoup. On va faire 3 en 3. Bon, sauf là, c'est devant. Hein, donc c'est normal. Là, on aura une grosse poporte en mode décalé, katam, 1, 2, 3, pan, 1, 2, 3, pan, attends, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, pan, voilà, donc là, on est bon, je reviens pas du bol que j'ai, 1, 3, pan, 1, 2, 3, pan, 3, et pan, voilà, et là, on fait 1, 2, 3, pan, nickel, Michel, sauf que là, attendez, je suis en train de me demander si je fais pas... Un, deux,
Ou là, que deux, et puis les poutres serrées ici. Ouais, là, oh non, on va laisser une grande ouverture comme ça, c'est bien. Hein? Il y a Zedda qui demande si c'est comme Zed qui passe en ce moment. Dédalos? Non, c'est quoi la musique qui passe? Oui, oui, mais c'est qui demande ça? Donc Zedda. D'accord, c'est Approaching Nirvana. Cinematic Soundscape Volume 1. Voilà. J'ai acheté les droits pour pouvoir les passer. Bon, ça va, honnêtement, Approaching Nirvana, ils sont vraiment raisonnables au niveau des droits. C'est vraiment pas cher, donc ça valait le coup. Alors, du coup, pour faire une fée ferme, enfin, un truc, alors attends, on va faire poutre. Je me demande à quelle hauteur on va les faire. 3. Si je fais 3 de côté, il y a une mouche qui me saoule depuis tout à l'heure. On va les monter là, ça va monter doucement ici. On va faire un petit truc en traviole là. À quelle hauteur? 3 ou 4? Attends, faut que je m'aide avec de la dirt. Quelle hauteur on va mettre le... Non, ça sera forcément comme ça. J'en ai mis combien pour l'instant? 3? 3 de côté. 1, 2, 3. Ouais, peut-être 4 quand même. Allez. C'est quand même un entrepôt. Faut quand même pas. Attends, ce qu'il faut pas que ça soit trop grand. Mais enfin, là, comme il est caché de ce côté-là, du coup, ça va aller. C'est juste ça que je veux, c'est qu'il soit pas trop grand. Fais voir au niveau taille. Oh non, c'est bien. Allez, 1, 2, 3 et 4. De toute façon, après, on aura le truc qui va reposer dessus. Donc, 1, 2, 3 et 4. Parfait. 3, 4. Bah, bien sûr, ils sautent bien. 2, 3 et 4. Alors là, ça sera forcément plus haut, on verra. 3 et 4. Tiens, j'aurais dû faire une MLG bois. Ah oui, sauf que j'ai loupé le... presque réussi, dis donc. 3 et 4. Tiens, du coup... Ah, je peux... Punaise. Tout pour mon kikiné. Ok, et là, du coup, on fait une de plus, 1 et 2. Voilà, ça c'est bon. Donc du coup, là, le toit, il va y avoir ici. Donc au niveau de la hauteur de la pop-porte. Là, comme ça fait déjà une belle... Ah non, c'est passé. On va la mettre plus haut. On va la mettre plutôt ici. J'aime bien que ça fasse pas un carré. Carré, ça fait bizarre... Tandis que là, là, ça va faire mieux. Et ici, de temps en temps, bah, on va mettre des petits bouts de bois. Alors justement, pas aux endroits pas pareils. Il faut que ça soit en mode décalé. Je me dirais, il faudrait que je mette, par exemple, un truc comme ça. Un truc ici. Puis là, il sera au milieu là. Là, on partira ici. Milieu là. Donc là, là, ici. Poète. Et donc là, on va le mettre ici. Au milieu là et là ici. Vas-y nous mettre. Et j'en ai plus, bien sûr j'en ai plus, sinon c'est pas drôle. Eh sérieux. Attention. J'ai la tapette moi. Non mais. Pas une mouche qui va m'embêter, non? Bah on a plus assez de sapin. Ah bah c'est pas grave, on va faire pousser un petit peu de sapin. Ok. Et béton, il va falloir du béton. Ouais, je pense que ça va rendre bien avec à la place de la laine traditionnelle, qui a une texture un peu de laine. Donc du coup, ça va être mieux. Alors, on voulait des sapins. Sapin. Ah si, j'en ai encore de la poudre de perlin, papa. Bureau pesseux. Voilà. C'est quoi bureau pesseux? C'est quand j'ai un petit rototo, mais que je veux faire un petit rototo poli. Donc au lieu de faire bureau, tu fais bureau pesseux. Ça fait classe. Tu rotes avec classe. Tu
C'est ceux qui, c'est ceux de la haute, tu vois. Jean, Jean-Denis de la Buffonnière, du... de Montaigne, qui nous arrive et qui nous fait. Bureau PC. Oh, très cher, j'ai un petit rototo. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas pourquoi je dis ça, je... n'importe quoi. Surtout qu'en plus, j'ai un ami qui est baron. C'est marrant, en fait, je l'ai su, mais au bout de plusieurs années qu'on marchait et tout ensemble, on a fait Saint-Jacques. Un bout, il n'a pas tout fait, je crois. Il n'a pas tout fait, Saint-Jacques. Non, non, il s'est marié. Il s'est marié avec une nana de la noblesse japonaise. Truc de fou. Et ils se sont mariés aux États-Unis. Enfin, il s'est marié en Bretagne, puisqu'il est monsieur Delamotte, mon ami. Et maintenant, ils vivent. Maintenant, ils vivent en Californie. Chers amis. Ah ouais. Ouais, ouais. Belle histoire. Ah oui, avec l'auriculaire. Mais repasse. Et en fait, je l'ai su que le jour de son mariage, qu'il était baron. Tu sais, je reçois un courrier. Monsieur le baron Nania et madame la baronne Nania vous invitent au mariage de leur fils au château machin patin couffin. What? Quoi? Et puis au début, j'ai cru à une erreur. Hein. J'ai vu la super enveloppe avec tous les igouigouis et tout de suite. T'sais. Et puis après, je dis, mais Pierre, oui, c'est Pierre, mais il n'est pas baron, Pierre. J'ai halluciné, quoi. Et puis, Sébastien était baron. Ah bon, bon, bah, cher ami. Bah, je savais pas. Milieu. Et bah, voilà. Voilà. Là, donc là, il sera au milieu ici. Donc là, toc. Voilà, ça fera joli. Ça fera joli. Alors du coup, il nous faut du béton. Et... alors, comment on fait du béton déjà? Il faut du sable. Sable, 4 sables. Comme gravier, un colorant. Purée, c'est cher. Le craft te donne 8 ciments. Ah oui, ciments. Donc c'est pas cher alors du coup. Attends, je vais ranger mon bois. Pour l'instant, le bois... je dis bien, pour l'instant, plus besoin. Donc ça, on peut ranger les barrières. Pour l'instant, on peut ranger... Ah, j'ai gardé qu'un seul sapling. Pas bien. Alors, faut toujours que j'en ai au moins 4. Bon, là, ouais, bon, j'en ai quand même pas mal. Bon, les fleurs, allez, c'est bon. Pas non plus. Ça, j'ai un peu trop de stone pour le moment. On va la ranger pour l'instant, puisqu'on va s'occuper même du toit de machin. On fait de la place, on fait de la place. Hein. Ça regarde. Alors, les shears. J'ai pas... oh, les chiens... oh tiens, on va les mettre avec le bois. C'est pas logique, je sais, mais regardez, il a des coins en bois. Voilà, ça fait du bois, c'est bien. Là, ouf. Oh, je sais rien. On va la laisser dans le coffre là-bas. D'ailleurs, on va même mettre les carottes là-bas aussi. Je pense que, quoi que 19 carottes, les cochons... ah si, il y aura les cochons à reproduire. Ouais, donc on va garder ça. Et donc, du coup, il me faudra... ah oui, mais des nonos. Ah si, ça va, j'en ai encore des nonos. De toute façon, sinon, ça va très très vite à mon petit piège pour avoir plein de nonos. Donc ça va aller. Alors, il faut du sable, mais du sable... à pu. Le sable normal. Attends. Là, j'en ai 37. C'est juste pour se rappeler, voilà, que le sable, il va là, j'en laissais un. Bon, on va l'enfermer. Du gravier, t'as dit qu'il fallait, hein? Oui, du gravier, oui. Pareil, du gravier, j'en ai quasiment pas. Oh, purée, charal. Et, colorant, ouais, donc c'est bon, donc on va fermer. Bah tiens, c'est simple. Attends, bah, si j'en ai une table de coffre là-bas, on va le faire tout de suite. On va voir si juste avec ça, si ça, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est marrant, parce que c'est la vraie recette du béton. À peu près, quoi. Moitié gravier, moitié sable et oui, bon, du béton, hein. C'est pas des colorants, bien sûr. Mais bon. Non, ça non, va, non, du non, sable, non. Pas trop loin. Ouais, c'est du colorant. C'est du colorant, mais liquide. Bon. Un homme brut. Voilà. Ça manquait un peu de fleurs par ici. Tiens, là, pareil. Ça manque un peu de perlimpinpin. Alors du sable, oui. Non, pas des panzani, on n'a pas. Alors du coup, on va en péter un peu.
Ici, c'est bien, là. Ouais, parfait. Allez. De toute façon, il en faut pas beaucoup, parce que j'ai presque pas de gravier. J'en ai 40 du gravier. Ah bah attends, bah j'ai déjà 40. C'est moitié, moitié ? Comment ? C'est moite, moite ? 4 de gravier, 4 de sable, oui. 5 collants. Oui, bon, c'est ça. En plus, j'en ai fait il y a pas longtemps du béton, mais je me rappelle plus. Oui, sur... Pour les cubes. Oh les cubes, oh les cubes, oh 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 les cubes. Allez, donc on fait 1, 2, 3, 4, on fait 1, 2, 3, 4, et le petit colorant à son pépère, et pan, et pan. Donc là, il nous en donne, ah, et quand même, bah quand même, alors que j'avais juste 40 de gravier. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que c'est loin de tout remplir. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, on va céder. Alors, poète. Attends, là, il va être là au-dessus. Donc ici, ici. Ah oui, non, je suis bête. Pff, attends. Rends-moi mon... il faut le mouiller. C'est vrai qu'il faut le mouiller, le bétail. On va se mettre à un endroit où c'est pas embêtant. Et on va lui répandre de l'eau. Allez, bon bah c'est pas grave, de toute façon, voilà, allez. C'est le seul inconvénient du béton, hein, comme ça, c'est qu'il faut le... Faut le poser, et puis après, faut le mouiller, quoi. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant, hein, quand même. Un petit peu, pas trop. Posé, ça y est. Allez, perception du seau d'eau. En avant, prêt pour le béton. D'accord, bon, je pensais vraiment qu'il allait en mettre partout. Ah bah, puis là, il en met partout. Je vais comprendre, genre. Alors là, ça n'a pas été mouillé. On voit la différence de blanc, hein. C'est bon. Là, tout est fait, oui. Pas là. C'est bizarre qu'il s'étale pas de partout. Ah, c'est des fois oui, des fois non. Je sais pas pourquoi. Ok, ça y est, le béton est content. Elle est content. Allez, bon. Ouais, bah c'est... Bah go. Mais à mon avis, j'en aurais pas assez. C'est bien parce qu'il est long et ça fait du blanc tout neuf, là. Quoique si j'avais voulu imiter du torchis... Ah, j'ai peur. Le jaune, tu l'as déjà essayé, le jaune? Non. Ouais, je crois que les couleurs sont assez flashy, hein, je crois, hein, si je me rappelle bien. Mais je me souviens bien que tout cas les blancs sont très clairs. Ouais, ouais. Non, je crois que le jaune, il était un peu trop flashy. Pour commencer. Parce que, tu sais, si on voulait faire, je me dis, si je voulais faire de la... comment ça s'appelle comme de la... mince, ce qu'il y a entre les poutres. Pff, purée, ça va plus, moi. Anorad. Non, 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 ce qu'il y a entre les poutres dans les fermes. C'est de la terre avec de la paille mélangée. Ça porte un nom. Mais je me rappelle plus. Grotte. Bon, c'est pas très important. T'inquiète pas, pas grave. Voilà, donc là, on va mettre ici, ici, ici. Tchouk, 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 crotte, mal visé. Tac. Le fumier. Changer le sapin. Non, les... Non, je sais, mais je trouve pas. Ce qu'ils utilisent... Pourquoi j'ai rangé mon bois? Je suis trop bête. La paille plus... Ah, puis là, en plus, c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. Il sera ici. Le torchis. Voilà, je cherchais le nom. Du torchis, mon pépère. Torchis? Ouais. Donc lui, il va être là. Tac. Ça s'appelle... c'est du torchis. Pourquoi? Pourquoi tu peux me dire... Tu peux me dire pourquoi j'ai été poser mon bois là-bas? Je suis trop bête. Parce que t'avais dit que tu... Oui, que j'en aurais plus besoin, mais en fait, si, j'en avais besoin. Voilà, attention. Je te jure, le pire sera lui. Hop, donc là, il sera
pas là, mais ici, tac, tac, et tac. Combien il y aura ? Hey, il m'en reste 24, on va peut-être en avoir assez, dis donc. Attends, je vais aller chercher mon bois vite fait. Bon, ça va. Heureusement qu'on construit pas loin. Ça va être cool, je pense. Et pour le toit, je pense que je vais utiliser du bois. Puisque c'est pour une ferme. Ouais, on va prendre du bois foncé. Enfin, même du spruce. Le spruce, il est bien. Ouais, allez, on va se faire ça en spruce. Puis en plus, il est facile à... Il est facile. Alors attends, du coup, sapling, j'en ai qu'un. Et... On va penser tout de suite. 1, 2, 3, 4, 3, oui, et un 4, c'est ça. Il est là, le Chopper. Parfait. Dis donc, t'as vu le peu qu'on avait? Eh ben, je crois qu'on en aura assez pour faire le début de... Enfin, tout le bignou, quoi. Ah, j'aime bien. Petite ferme comme ça, c'est cool. Simple, très simple et efficace. On va juste lui faire un contour ici autour, ça fera plus joli. On va le faire même les vals. Et là, ce sera au milieu ici. Très bien. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on lui fait une petite fenêtre ou pas? On pourra, éventuellement. Ouais, c'est jouable. Alors, petit dodo. Évitez les problèmes. Alors, les barrières, je les ai enlevées. Charal, c'est pas grave. Ici, ici, et puis là, en mode tout droit, voilà, on mettra une petite fenêtre à cet endroit-là. Ici, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va ici, ça, ça va ici, et, oh purée, hé, regardez, hop, hop, et hop. Sauf que là, il faudra faire le toit, crotte de bique, on en a plus que deux, il va en manquer un petit peu. Bon, allez, il en manque un petit peu, on va pas faire ce feignant. Il en manque, on va dire... Bon, vraiment pas beaucoup. À moins qu'on fasse la ferme avec le même principe. Ouais. Allez. Ouais, allez, on va en faire un petit peu plus, on n'est pas après. Par contre, je vais rajouter plein de petits igouigouis partout. Les aiguilles, oui, il aime bien les aiguilles, oui. Allez, on peut même mélanger avec de la laine, tiens, pour faire de... Parce que je sais qu'il m'en restait... J'en avais un, trois. Pour faire des endroits... Ah, quoi que ça fait pas du tout le même bloc, hein. Tu vois, ça fait une grosse différence. Ouais, quand même un petit peu, hein. Bon, tant pis. Ouais, bon, allez, tant pis, on va pas mettre de laine, on va pas s'embêter. C'était, je voulais tester quand même pour voir effectivement, mais... Bon, c'est quoi, c'est de la stone, ça? Qu'est-ce que ça fait, là? Et blurrier, ou quoi? Alors, du coup, j'ai dit, ah, si, non, pourquoi je sors, il faut du gravier. Du gravier, il y en a plus, hurra. Alors quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Oh là là. Gravier. Et ouais, bon, le sable, ça va aller vite. Si je mangeais, ça serait bien aussi. Miam, 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 miam. Ah, puis j'ai oublié, faut reproduire les cochons aussi, hein. Ah bah tiens, bah gravier, regarde. Ouais, la toche, on la replacera là.
Oh, du charbon. On a pas besoin pour le moment. Ok. Il y en a même de l'autre côté. Puis voilà. Bon, allez, tant qu'on est là, on en profite. On se fait plaisir. Oh, disons le spot. Hein. Ok. Allez, on ne vient pas. On prend tout ce qu'il y a ici. On en profite. Parce que ça, j'en utiliser un peu plus après et j'en aurai besoin. Donc du coup, c'est toujours bien d'en avoir sur soi. Voilà. Pour l'instant, on peut pas le remplacer par si par de la dirt éventuellement. Est-ce que c'est vraiment... Allez, on va mettre une torche derrière pour éviter des problèmes. Voilà. Et puis, allez. C'est vraiment parce que j'aime bien être tranquille. Ouais, là, ça spawnera pas avec la torche qui est là. Dans ce cas-là, faut pas que je la mette là, la torche. Faut que je la mette... ici. Voilà, là, ça éclaire bien tout. Ouais, ça éclaire bien tout. Et voilà. C'est bien. On est content. On est content, Roscoe. Il est content, Roscoe. Ah, d'ailleurs, tiens, j'ai mon spot de... D'ailleurs, ouais, ça reste ouvert. Alors, on s'en fiche. C'est good, c'est good, c'est good. On a du gravier. Regardez un peu comment il pousse. C'est bien, hein, ça pousse. Hein. un petit peu de sable. Poudre perle à papa, il y en a. Très très bien. Allez. Oh mais c'est marrant en fait à faire. Hein. Ça va assez vite. Hein. Tiens, attends, tant qu'on est à côté des cochons. Eh les gars! Eh les gars! Coucou! Oh, oh, oh purée, comment il arrive, lui. Bon, allez! C'est bien! Tiens, ils sont contents, hein? Ah, tu peux te perdre, ils sont contents! On a marre au cochon! Allez, c'est bon! Alors, un petit peu de sable, donc on n'en prend pas trop. On va en prendre. Attends, qu'est-ce que j'ai pris comme gravier? J'ai un stack. Un stack de gravier, alors on va se prendre un stack. De sable vite fait, bien fait, à son pépère. Enfin, un stack pas tout à fait, parce que j'en ai déjà 3. Donc 61. Et puis c'est tout. Ça va aller tellement vite, vous allez. Il y en a, ils vont être surpris à la vitesse où ça va. Ok, là on en a combien? Ça y est, on les a. On les a, ok oui. Allez, maintenant, perception de la table de craft. Oula, tchac tchac tchac, on était bien tout à l'heure là, dans ce petit endroit là. Hein, du dos, du dos. Ouais, on était bien. Pouette, allez, le sable. Rock. Le gravier. Trac. Donc là, il n'en faut que 16, normalement. Ici. Pon. Et ça fait... Ah oui, donc en fait, ouais, en fait, il te rend tes deux stacks. Tu mets deux stacks, il te rend deux stacks. C'est bien. Hein. C'est bien. Donc on va se poser ça. Et c'est parti. C'est le seul inconvénient, hein, c'est qu'il faut tout poser, quoi. Mais derrière, on remettra de l'herbe au fond, hein, pour pas que ça fasse bizarre ici. Tac, tac, tac.
Ok. Voilà, ça y est. Allez, un petit sono. Un sono, ça sert tout le temps. C'est bizarre, pourquoi il s'étale pas partout? Je comprends pas. Avant, il s'étalait bien le truc, il mettait comme ça au milieu, puis... Hein? C'est plus de Minecraft. En fait, l'eau bâche à 8 de long, 8 autour de lui, à part s'il y a un bloc en dessous de lui avant le livre. C'est un peu compliqué à dire comme ça, mais bon. Ouais, c'est encore un truc étrange, ça je te le dis, moi. Non, c'est Minecraft. Voilà, hein? Non, pas là. Voilà, c'est bon. Allez! On récupère le béton. Laisse béton. Ok. Marc, il est vraiment joli ce bloc. Béton, bonne invention. C'est vrai. C'est joli, j'aime bien. Un pilier, les pieds dans l'eau. Ah oui, avec la ah oui, c'est vrai. Avec la gravité, ça descend. Oui, c'est ce qu'on faisait avec Alps en plus. C'est vrai que c'était peut-être plus simple. Oui, mais il faut être deux. Il faut deux pour faire ça. Si t'es tout seul, c'est embêtant. Et que t'as pas fait un falling, t'es sûr de mourir. Tu meurs. Donc on va éviter. Si à moins d'être très fort en MLG. Mais bon. Faire des MLG à 200, à 100 blocs de haut en mode hardcore, c'est du suicide, hein, moi je dis. Non, en plus. Surtout quand t'es en live. Ouais, parce que t'as des lags. Surtout que plus t'es plus t'es haut, plus tu sors rapidement. Ouais, donc bon, on va éviter les. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes, ils sont morts, hein, tout simplement. Alors, donc du coup, on va éviter. On va éviter. Alors, on va se faire un petit arrondi. On va pas monter très haut. Salut Red. Red, tu nous entends? Oui, bonjour. Ah. Coucou Red. Coucou, je suis revenu de Bretonnie. Ouais. Oh. Alors c'est où la Bretonnie? Bah c'est... Côte d'Armor. D'accord. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça va. Donc on va le faire comme ça. Dodo. Bon, je fais dodo n'importe où, moi je suis un barbare, moi. Bon. Bah, j'ai ma grande qui s'est installée là-bas. Ah. Dans la forêt de Pimpon. Elle est. Pimpon. Bah brosse et liande pour les intimes. Ouais, bah ouais, c'est pas loin. 2. Ah, quoique non, attends. On va mettre plutôt un bloc comme ça. Ouais, plutôt, c'est plus logique. Ouais, là, c'est plus logique. Alors, attends, par contre, infortune, on met vire, on met la pioche. Pan, 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 pan. Ouais, c'est bien. Voilà, donc là, on est bon. Alors, du coup, on va se faire un toit en mode... En mode de chez nous. Alors, d'abord, avant le toit, je voulais faire tout le contour ici. Alors, oh, purée. J'ai pas de cobble, alors ça m'en kikine. D'ailleurs, ici, ça va être embêtant. Bon, au pire, je vais mettre du gravier. Voilà. Comme ça, il va pas nous en kikiner longtemps. Voilà. Regardez, c'est tout bête, mais faire un contour de bâtiment au sol, je trouve que ça apporte beaucoup de cachet. Un bâtiment, j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça. Et d'ailleurs, tout l'intérieur ici, on aurait dû le garder. La corse d'or de tout à l'heure, on aurait peut-être dû la garder pour la mettre dedans, mais bon. Parce que de l'herbe toute verte comme ça dans un entrepôt, on n'y croit pas beaucoup. Hein. Surtout dans un entrepôt de ferme.
J'ai été dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de fermes. J'ai jamais vu de l'herbe verte dans... de la bouillasse, oui. Hein, tu peux y aller en veux-tu, en voilà. Hein, pour pas dire autre chose. C'est de la merde, c'est de la merde, oui, oui, oui. Mais bon, avec la petite rigole pour les vaches et tout. Tiens, d'ailleurs, on pourrait mettre des petites vaches pas loin. Ce serait sympa. Ramener des meumeux. Bon, y en a, on en fera des meumeux. Alors, donc j'ai besoin d'un petit peu de cobble. Et de corse d'ort. Tadam, tadam. Corse d'ort, ah oui, c'est avec du gravier, de toute façon, qu'on en avait, hein, c'est ça. Hein, hein mmh. Salut, Johan. Oui, je crois que c'est avec du... C'est, oui, c'est mélange gravier et d'ort, c'est ça. Hein. Mais attends, là j'en ai 49, j'en aurais peut-être pas assez, je vais garder mes 17. De la dirt là j'en ai encore. Et ah oui, mais de la cobble, j'en ai pas de la cobble. Ah, j'aime bien la cobble, comment ça fait. Comme ça. Je trouve que ça fait comme des petits pavés, tu vois. Zut. Alors ça, ça m'embête. Comment est-ce qu'on va faire? Attends, que je dise pas de bêtises, j'en ai 6 de cobalt. Tu vas aller loin, mon gars. Ah bah si, bah je vais miner à la fortune, alors, du coup. Miner à la fortune un tout petit peu, pas beaucoup. Attends, j'ai du sable, là, que je vais plus me servir. Tac. Juste pour faire de la place. Le sapin, pour l'instant, plus besoin, pour l'instant. Oh, t'es toujours en train de vider ton inventaire, en train de... la poudre de perlimpinpin, pour l'instant, pareil, plus besoin. Voilà, c'est bien. Là, on a le béton. C'est un béton qui est là. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Tiens, ça, pas besoin non plus. Donc, du coup, j'ai besoin d'un petit peu de cobalt. Et de la corse d'or, je pense que j'en aurai assez. Au pire, si je vois du gravier, j'en prendrai quand même. Donc, un petit peu de cobalt, un petit peu de gravier, si vraiment besoin. Et ça va faire l'affaire. Ah non, c'est pas là. Allez, on va miner à la fortune, on a dit. J'aime pas trop faire ça, mais là, c'est... En fait, j'ai pas trop le choix. Ah, mais mal au fait. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je ferais pas un petit couloir qui repart dans ce sens-là? Plutôt que d'aller très très loin... Genre 1, 2, 3. Ok, c'est-à-dire que là, tu laisses 1, 2, 3 de libre et un petit couloir qui partirait comme ça vite fait. Bon, de toute façon, on va pas le faire, mais je vais en prendre un petit peu quand même. J'ai pas refait la boulette. Bon. Non, ça c'est la Steel Touch. Mais ça, ça c'est bon, c'est la fortune. Oh, je pioche la fortune, je suis un ouf. Voilà, à l'ancienne, hein, bien sûr, hein, avec les torches. C'est vrai que c'est, j'ai tellement l'habitude de miner comme ça depuis des années et des années. Mais c'est vrai que c'est bien aussi avec le... Allez, j'en ai combien? Un stack. Le bâtiment, il fait combien? Allez, encore un petit peu. Allez, encore un petit peu. Allez. Oh, bah tiens! Oh, du gravier! Ah, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait, dis donc. Oh, mais il y a une caverne par ici. Oh, super! Super, on a plein de gravier, c'est magique. Je sais plus pourquoi on voulait du gravier, mais on en voulait. De toute façon, j'en aurais besoin, de toute façon. Ben, quoi, carte? Pour les chemins, pour... voilà, pour béton. Oui, c'est vrai que le gravier, aujourd'hui, il sert pas mal, du coup, hein. Ah bah oui. Beaucoup plus qu'avant. Oh dis donc, je suis tombé, c'est gravier long. Ah crotte, c'est une torche que je voulais mettre. C'est gravier long de là où je suis là. Bon, on va pas ramasser tout, mais... On se rappellera qu'ici, il y a du gravier, mon pépère. Oh, il y a même de l'or. Ah, puis si, puisque maintenant, j'en ai plus. Ouais. J'en ai plus. Oh, puis en dessous, il y a du gravier. Oh, c'est rare qu'il y ait du gravier en dessous, comme ça se fait.
Allez, on est bon. Juste une torche. Là, je suis un fou de la lumière dans ces trucs-là. Allez, ça sert à rien de creuser plus loin. Tu as même ces blocs-là. Non, bah non, ils sont minés. Ils sont minés. Allez, rentrage baraque. Tiens, bah, bon. Donc là, on pourrait y retourner. Donc, bon. Et le dernier bloc. Bon, voilà. Là, c'est juste pour éviter que si jamais on a mal torché dans les couloirs, qu'il y ait des bêtes qui arrivent et qui nous enquiquinent. Voilà, ça sert juste à ça. Mais je peux vous dire que ça, son efficacité, ça a fait ses preuves, hein. Voilà. Donc là, on a du gravier. On a tout ce qu'il faut, hein. Je crois qu'on a, on est bon, là. Qu'est-ce qu'on a, là? On a de la cobble. Super. Le gravier, je sais, je voulais du gravier. Je sais plus pourquoi faire, mais en tout cas, j'en ai. Donc, c'est très bien. Cause d'hirte. Hein? Attends. Par contre, du bois, j'en aurais pas assez. Attends, il y a une fleur qui m'enquiquine depuis tout à l'heure. C'est bon, je l'ai replanté. Je suis juste en train de me dire une course d'orte, exactement. Bien, bonne mémoire. En fait, là, je suis en train de me dire que je vais, pour faire le toit, je vais avoir besoin de plus de bois. Je le sais d'avance. Tiens, bah, j'ai combien de tiens, bon. Alors, du coup, je vais reprendre 4 saplings. 1, 2, 3, 4. Et dans les machins. Voilà. Alors, comment s'est passé ton joli voyage, mon pépère? Plutôt sympathique. Hein. On a vadrouillé en mode touristico, historico, baladico, sympathico. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Quand j'ai vu toutes les photos que t'as postées sur Twitter, j'ai dit oh purée, là, il nous fait la série des châteaux, des abbayes. Carcassonne et compagnie. Ouais, on s'est fait. Mais en fait, j'emmenais ma mère et ma tante à l'anniversaire de leur cousin à Toulouse. D'accord. Et après, ma tante, elle m'a dit oh, je veux pas rentrer tout de suite, tu nous prépares un petit voyage touristico-historico sympathico, et puis on remonte en Bretagne. C'est super. Donc on est remonté en 3 jours, donc on a fait Carcassonne, on a fait Albi, on a fait Rocamadour. Ah, c'est beau, Rocamadour, super beau. On a fait Collonges-la-Rouge et les églises autour. Ouais, Collonges-la-Rouge, c'est un des plus jolis villages de France, c'est très beau. Ouais, j'adore, ouais. C'est super sympa. Et puis après, on a fait le château de Chinon. D'accord. Et puis voilà, après, on est rentré en Bretagne. Ok. Alors, est-ce qu'à Chinon, t'as vu Charles VII ou pas, du coup? Non, j'ai vu des Jeanne partout, comme c'est le nom de ma fille, j'étais content. Bon. J'ai pas trouvé Charles VII. Ah bah c'est quand même... quand elle a été à Chinon qu'elle a rencontré Charles VII, c'est là qu'elle est devenue la générale en chef des armées de France, quoi. Jeanne d'Arc. Oui, bah oui. C'est dingue, hein, même quand il pense. Hein. Attends, à l'époque, je suis même pas sûr qu'elle avait encore ses 18 ans quand c'est arrivé. Je suis même pas sûr non plus. Tout juste, hein. Puisqu'en fait, elle a commencé, elle avait dans les 17 ans. Et puis, elle a été cramée à 19. Donc, purée, elle était jeune, hein, n'empêche, quand il pense, hein, c'est fou. Hein. Bah ouais. Alors, tac, tac, et... Tac et tac. Corsort. Ah, j'en ai peut-être... Ah, 2 stacks, j'en ai fait beaucoup de trop. Bon, c'est pas grave. Ça fait réaliste. Et donc, dedans, on va mettre du foin et tout. Bon, je le reviens. Ok. Torche, déjà. Poète. Ok, on va se mettre des torches devant, ici. Ok. Et on va faire un petit dodo vite fait, bien fait. Ou que oui. Oh, j'ai entendu. Je suis content d'un corbeau. C'est IRL ou... Non, c'est pas dans le jeu, c'est pas possible, il n'y a pas de corbeau. Je te jure, j'ai entendu... Comme un corbeau, mais... Et en fait, c'était tellement bien, je me suis demandé si c'était dans le jeu, mais non, je pense que ça doit être... Non, ouais, c'est dehors. On a plein de bestiaux. Chez moi, j'ai plein de... Bah, des corbeaux, évidemment, mais pas que. J'ai plein de petites chauves-souris le soir... qui viennent, qui tournoient là dans mon jardin et ils font des rasmotes et tout, ils sont trop éclatants. Trop marrant.
Alors, du coup, les amis, ça c'est la petite entrepôt de la ferme. C'est bien, ça change un peu, mais il n'y a qu'un truc qui me choque un petit peu, je sais, c'est bête, mais c'est ça. Hop là. On va plutôt le mettre ici. Ouais, moi je suis comme ça, moi je pète le béton, on le remet et tout, tout va bien. Voilà, donc du coup, à partir de ce moment-là, on va lui faire un petit toit de chez Petit Toit. Je suis en train de me demander, je voulais faire en léger arrondi comme ça, mais est-ce que c'est jouable ça? Bon, on va essayer. Un arc à poulie, oulala, ça c'est dangereux, un arc à poulie. Ça va super loin, super loin. Tu peux tirer très 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 loin. Ma table de craft. Pourquoi je voulais une table de craft? Ouais, parce que là, j'en aurais peut-être pas beaucoup. Du bois, j'ai vraiment beaucoup de brin sur moi. Donc du coup, on se fait quoi? Tout en dalle? Je pense que tout en dalle, ça va être joli. À mon avis. Ouais, on va le faire en dalle. On va faire un toit, toi, mon toit. Tout en dalle, ça va être sympa. Allez. Là, je commence à en avoir déjà beaucoup, des dalles. Et de toute façon, j'ai plus de place. Plus de place. Allez, tout en dalle, c'est parti, mon kiki. En avant, guerrier. Allez. Ouais. D'ailleurs, j'avais un coffre, je sais pas où est-ce qu'il est. Allez, là-bas, le coffre, m'en laisser. Regardez, tout a poussé. Le fait de bosser à côté, là, comme ça, tout pousse. C'est magique. Ouais. Allez, de la dirt, on grimpe, pont, c'est parti pour le toit, à son pépère. Attends, c'est pas de la dirt, ça c'est quoi? Évidemment, j'ai pris de la corse dirt, sinon c'est pas drôle. Oh purée, quel poulet. Dirt, voilà. Ok. Alors, par contre, j'ai intérêt à délimiter tout de suite dans quel sens on va faire. Là, on va se mettre là, Là. Et là, ok, failli faire une bêtise. Et puis là, on va se décaler et pan. On va le mettre ici tout le long, sauf qu'on va le faire dépasser par là quand même, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas beau. C'est pas beau. Tac, tac, ici, ici. Et là, très très bien. Ouais, j'aurais dû le mettre par là en premier. Allez. Il y a un endroit, on fera peut-être une plus grosse ouverture là derrière, on va voir, mais ça fera peut-être quand même plus joli. Ok. Non, évidemment, je m'agourais. Oh. Ok. Oh, tu me diras si on peut faire comme ça, c'est pas gênant. Allez. Ouais, coucou, Bouboun. T'as vu qu'il y a Reg qui nous a rejoint? Ah, il y a Red qui est revenu. Ah oui, t'es en vacances, ah oui. Oui, il était... Ah bah tu sais qu'il a fait un super tour. Oh, crotte de bitch. Il a fait un super tour, là. Le tour des châteaux. Ouais. À la limite, en plus. Ouais, c'est Carcassonne, ça fait longtemps que j'y... Ça fait super longtemps que j'y suis pas allé. Il a fait une abbaye de... Je sais plus où. Enfin, pas mal de temps. Ok. Oh yeah. Allez, là, on en est bon. Voilà. Allez, y'a plus qu'à. Sabine, tant que chez nous. On peut laisser des petites formes comme ça de temps en temps, ou même, voire même un trou, c'est pas gênant. Au contraire. Au contraire. Allez. Ok. Châle. Mmh. J'ai glissé, chef. C'est pas possible. Oh,
prête à ne faire ton boulet. Vas-y tranquille. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors on en met un là, un là, un là. Ok, et on peut faire un trou-trousse. Même pour abuser. Ici, un petit trou-trousse comme ça, tu vois. Par contre, pour que ça fasse vraiment bien, faut mettre en dessous. Voilà, ça c'est bien, là. Comme ça c'est bien. Super. De l'autre côté, c'est moins important parce qu'on le voit presque pas. Donc juste un là et un trou-trousse. Ici. Ah non, non, c'est, j'ai choisi. Ah, crotte de nez. J'ai choisi pile poil l'endroit où il fallait pas le faire. Par contre, là, ça c'est bien. Allez, tac. 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 Voilà, c'est bien. Allez, c'est bien. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Ok, ok, parfait. Alors, si on l'avait fait assez haut, on aurait fait un étage avec, en prime, au-dessus, un truc. Mais là, c'est pas grave. On peut faire quand même. On peut faire quand même. Genre un bloc, un tronc. J'en ai plus du sapin. Oh, crotte. Oh, j'ai tout transformé. Zut, 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 zut. Allez, on va ranger ça dedans, ça dedans, ça dedans, ça dedans. Non, pas le sapin. La corse d'Hurt. Voilà, très bien. Ça, en attendant, on va le mettre là. On va se vider, on va se faire de la place parce que ça va bien. Ça, pourquoi j'ai de la stone ici, je sais pas. Voilà, fallait se faire un petit peu de place. Donc là, on va se refaire un petit arbre. Je voudrais rajouter des petites barrières que j'ai laissées au château. Petite barrière et... Non mais c'est bien. Ça fait cool, hein. Bon, c'est un petit peu blanc, mais ça fait cool. Mais ça fait un petit peu blanc, mais ça fait cool. C'est parce qu'elle est toute neuve. Oh, oh. Alors, du coup, miam. Je sais plus qu'est-ce que je voulais. Le bord de poisson rouge. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? C'était... Non, il y avait une raison, là. Je suis revenu pour prendre des barrières. Voilà, j'en avais plein des barrières. Voilà! Non mais dis donc, dis donc! Et du coup, par contre, les moutons que je n'ai plus... Et bah du coup, ah bah oui, bah non, bah il y en a plus, ils ont tout bouffé les chiens. Ah, méchants chiens. Oh les méchants chiens. Bah tu peux de leur dire parce que c'est ça qui t'en a tué. C'est pas le bug. Non mais du coup... Non mais tu te rappelles quand on a fait respawner les chiens, ils ont bouffé les moutons. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que c'était des loups? Oui, méchants, méchants loups. Oh les méchants. Non, là je pouvais laisser. Du coup, je vais péter ce qu'il y a là parce que ça a plus lieu d'être. Oh d'ailleurs, est-ce que ça a toujours été comme ça que les loups mangeaient les moutons ou c'est depuis une version particulière? D'accord, je sais pas. Moi je suis rendu compte de ça très assez récemment. Bah depuis que le loup est. Voilà. Bah je crois que j'ai dû me rendre compte pour à peu près là un point 9, un truc comme ça, il me semble. Il y a un avion qui passe. Vous l'entendez? Non. J'ai un avion, mais il est passé, mais vraiment juste au-dessus de ma baraque. Mais un avion. Un petit avion à hélice. Oui, oui, un coucou, quoi. Ça fait drôle. Bah, heureusement que c'est pas un 747 juste au-dessus de ma baraque, parce que là, vous l'auriez entendu autrement. Bon, on fera des moutons. Parce que là, c'est juste le truc. Alors, donc, on va mettre, par exemple, une barrière ici, une barrière là. On va mettre des séparations, là genre des petites torchinettes,
genre le petit archinette, on va le mettre ici. Ici. Voilà, j'en mets là. Ouais, alors on en met là. On va en mettre une autour à cet endroit-là. Là, c'est moins grave, mais allez, on va les mettre quand même. Histoire de ne pas être embêté. Poète. Allez, pour se faire plaisir. Voilà, l'intérieur est à peu près bien éclairé, pas trop mal. Donc on va mettre du foin. Oh purée, il fait déjà nuit. Mais c'est quoi sérieux ce bled là? J'ai l'impression de dormir tout le temps. Je te jure. Tout le temps. C'est moi où il fait un peu froid là dans ce coup. Trop lolol. Hop. Oh, et quelle sensation agréable. Presque froid, tu sais. Presque. Voilà. Qui c'est qui t'a demandé de venir dans ma ferme, toi, Boursemol? Oh, une côte de maille. Ça va servir plus tard. Pour ma salle d'apparat. Parce que du coup, j'ai tout perdu. Alors ici, je voulais faire comme s'il y avait des grosses portes. Mais du coup, non, on peut même les laisser ouverts, de toute façon. Tout, c'était pas forcément fermé. Moi, il y a plein de granges que je vois. En fait, t'as la grande ouverture. Puis il n'y a pas de porte, forcément. Ah, c'est juste parce que j'ai eu un courant d'air, François-Joseph, c'est pour ça. Ouais, on va laisser comme ça. Donc du coup, on va se prendre du blé. Le bois, pour l'instant, attends, je vais le garder, on va le mettre là. On va juste se prendre... Attends, à la corse d'orte, elle est là. Je l'ai pas rangée, je crois que je l'avais rangée, la corse d'orte. Ça, je vais la mélanger avec d'autres. Je peux en être sûr. Corse d'orte. Ah non, il y en a encore ici. Ok, on va laisser comme ça. Là, ouf, on va la laisser dedans parce que... Voilà. Alors, donc, ça marche avec la pioche fortune. Ok. Puis on va se faire juste un champ. Ah oui, mais le bleu, non, c'est juste qui me donne plus de graines, quoi. Pour le blé, oui. Ah zut. Alors que là, c'est du blé que j'aurais voulu en plus. Crotte. Ouais, normalement, j'en avoir un stack, logiquement, de blé. 61, il en manque 3. Ah, apparemment, t'as pas éclairé le 3. Quoi? Paulus dit que tu n'as pas éclairé le 3. Non, je vais pas éclairer le toit. C'est tout à fait vrai. Mais alors, des torches sur un toit, moi, je trouve ça tellement moche, purée. Et puis, c'est pas grave, même s'il y a des bêtes qui spawnent dessus, de toute façon, c'est pas très grave. On s'amuse. Ouais. Mais non, on leur balancera des trucs, des flèches, et puis ils mourront dans la souffrance. Non, ça va aller, je pense que ça va aller, honnêtement. Puis de toute façon, je fais dodo tellement souvent que très souvent ils ont pas le temps de spawner, les binous. Ouais, non, plus je veux pas voir des torches partout. Déjà là, j'en ai beaucoup trop à mon goût. Là, bon, c'est pour les champs pour l'instant, mais je peux vous dire que dès que tout aura poussé, ça va dégager. J'ai envie de me faire une ambiance réaliste. Et quand t'as une ambiance avec des torches partout, t'y crois pas. Ça, t'y crois plus. Tu vois, ça fait bizarre. Bon, on verra, mais en tout cas, ça restera pas comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, on est bon. Alors, du coup, on va pouvoir se crafter des ballots de paille, chers amis. D'accord, un stack, ça t'en fait que 7. Bon. Purée. Bon. Fait quand même pas beaucoup, hein. C'est vrai que ça fait quand même pas beaucoup. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Attends, je vais pas les mettre là, du coup, je vais les mettre... Avec quoi ça... Non, à la main? Ouais, bon, c'est pas grave. Ça fait vraiment ridicule, hein. 7 ballots de paille, on va les mettre en mode comme ça. Ça fait complètement ridicule. Bon, ok, j'ai compris. On va s'en refaire un autre. Oh, tiens, lui, il a sauté. Pourquoi il a sauté?
Ouf. Ouh. Ouh. Ah, du coup, j'en aurai un de moins. Ouais, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin, puisque... Oui, non, il va me donner la bonne quantité de blé, donc voilà. Pas besoin. Oh, y'a. Ah, ouais. Ok. Hop, on va se replanter ça vite fait bien fait. Oh dis donc, ça aurait été très l'agriculture sur ce live. Hein. Oh. Ouais. Mais de temps en temps, c'est sympa. Moi j'aime bien, hein, sérieux. Hein. Faire les petites plantations, tout ça, c'est mignon, des dents. Non, j'aime bien. Ça, c'est pas le genre de truc qui me dérange plus que ça. Faut dire, comme j'ai pas trop la main verte IRL, du coup je me venge dans Minecraft. C'est pareil, je vais jamais à la pêche en vrai. Du coup je pêche dans Minecraft. C'est marrant. Enfin je trouve ça ouais. Moi je trouve ça marrant. Tac. Ok. Oh yeah. Oh yeah. Tiens d'ailleurs, il n'y avait pas un bout de blé en plus tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, ça suffira. On va en mettre un au bord, genre ici, tu vois. Il en reste plus que deux, et puis l'autre. Puis l'autre ici. Pour donner de la couleur, il y a des ballots de paille et tout. Allez. Allez. Eh ben c'est pas mal ça, madame, dis donc. Alors par contre on se fera une petite ferme. Parce que là je regarde l'heure, je dis, il est déjà 8h20. C'est de la folie furieuse. Eh, sont lui carottes. Ah oui, attends. On va reproduire les bestiaux. J'hallucine à la vitesse que ça passe. C'est un truc de dingue. Alors lui on va le remettre là. Nous on va reprendre nos blocs à nous. Le reste, je vais le laisser dedans, les saplings. Bon, je vais les garder sur moi pour l'instant. J'aurais bien aimé rajouter un bloc de temps en temps pété ou quoi, ou on verra. Bon, on verra comment est-ce qu'on gère le truc, mais... Une barrière, un truc, un zigouigoui... De Zeus. Chatix de 5 euros de Zeox qui fait salut mon roi, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu sur un petit live. Et ben je te fais un gros bisou. Merci beaucoup pour ton tips de 5 euros mon pépère, ça me fait très plaisir. C'est très gentil. Voilà, du coup là on est bon. Ah si, non. Attendez. On n'a pas fini, on voulait faire des carottes. 1, 2, 3, 4. 4. Qu'on fasse pas de jaloux, hein. Attends, je les cache, parce que je les connais, ils vont devenir dingues. Mmh. Ok. Carotte. Allez, viens là. Eh. J'en ai pris 4, là. Attends, j'en avais pris 4. Qu'est-ce que c'est que ces beans? Bon, bah, tant pis, c'est étrange. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, je prends 4 carottes, je nourris 3 cochons et il m'en manque une. Je deviens dingue. C'est comme dans... Ah, non, en fait, c'est parce que t'as donné une carotte au petit. Ah, non, j'ai pas fait exprès. Bon, bah tant pis. Allez, tant pis. En tout cas, regardez-moi ça, les amis. Pendant ce petit live, on s'est bien fait plaisir. Puisqu'on a fait donc un petit entrepôt pour la ferme, pour une petite ferme qui sera qu'on fera ici, juste à cet endroit-là. On a fait des champs. On
On a fait le petit bachan, enfin on a fait plein de trucs plutôt sympa, la petite marocanard avec les petits canards qui sont là. Les pas canards, t'as déjà vu des canards roses. C'est enfin là, les petits cochons. C'est dur aujourd'hui, j'ai du mal, hein, j'ai du mal, je suis fatigué, mais. Bon, enfin bon, ça, hein, c'est parce que j'ai bu un peu de vin à midi, donc du coup je suis un peu prête. C'est peut-être pour ça. Donc du coup, voilà, 20h25, ouais, c'est bon, de toute façon, c'est comme on veut. Hein. Donc je vous fais à tous des super gros bisous. Merci à Joël et Yoki donc d'avoir modéré ce chat. Merci à mes petits maçons du cube d'avoir été en ma compagnie. Donc je vous fais à tous des super gros bisous, des amis. Demain, pas de live, hélas, parce que demain, je suis chez YouTube à Paris. On est chez Google, on est invité, donc je serai avec Pierre, donc ça va être sympa, on va passer encore un bon moment, tiens, je le dis, moi. On va bien se marrer. Il y en a, ils vont moins rigoler quand ils vont voir les questions et qu'on va leur demander des explications, mais c'est pas grave, tout dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc des gros bisous, bonne soirée, et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour du Holy Q-Man. Allez, bisous à tous, les amis, et à bientôt, tout, bisous.